Bonsoir tout le monde, comment ça va Comment ça va Dites-moi, salut Arnaud, c'est cool déjà, déjà au rendez-vous. Salut Lady, salut Musashi, salut Manon, ça fait plaisir de, de vous revoir ce soir. Ah, je vois qu'on est déjà une bonne quinzaine, quoi. C'est cool. C'est super cool. Entre Twitch et YouTube, euh, chaque fois, il y a un petit peu de monde. Dès le début, ça, ça fait plaisir. Salut Nicolas. Bon, si tu vas bien, c'est parfait. Je vais laisser un petit peu tout le monde arriver. Tranquillement. Salut Tiki's. Tiki, je crois qu'il avait voté pour la Mangatech. Sur Insta. Donc, du coup, ce soir, on va pas faire la mangatech, comme vous le savez. Salut Zeno, salut JPrimus. Et euh, on va faire la Japan Expo, euh, du moins mon week-end à Paris, puisque j'en ai profité pour faire aussi quelques boutiques. Donc, ça, on va voir tout ça en détail ce soir, euh, en, mode, en mode posé, tranquille. Et la mangatech, on pourra le faire la prochaine fois, c'est pas un souci. De toute façon, les mangas ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, ça, c'est bon. Hein, Rassurez-vous et j'ai fait un vote. Je me suis dit je vais laisser le choix. J'aurais pu, euh, j'aurais pu dire non. Je fais la Japan Expo au point. Et finalement les votes, ils ont été quand même énormément pour euh, la Japan Expo. Il y a, je vous montrais ça tout à l'heure. Là, il y a juste Instagram que j'ai pas pris en photo, mais c'est pas grave. Il faudra, je vous, je vous dirai à peu près euh, les résultats de, de mémoire. Et donc voilà. C'est le Tic Tac. Euh, oui, oui, oui. Ça, j'ai récupéré. Justement, j'avais prévu quelques jours de plus pour pour souffler. Donc j'ai pas repris le boulot immédiatement. Après j'ai eu surtout trois jours, en fait deux jours à la Japan Expo et une journée à, à sur Paris. Après le dimanche c'était déjà beaucoup plus cool. Depuis le lundi c'était le retour. Donc, euh, donc là voilà ça. Donc la reprise hier était était beaucoup plus euh, plus tranquille. Donc voilà. Qui a fait la Japan Expo du coup là Qui est allé cette année il y en a plein. Bon, Zeno, c'est sûr, hein, je l'ai croisé. Euh, on a passé pas mal de temps ensemble. Et après, euh, salut Bushenson. Ah, c'est plaisir de te voir. Donc euh, voilà, j'ai croisé pas mal de monde, mais tout ça, on va le voir en détail. J'attends euh, voilà, quelques minutes, euh, j'attends ces minutes tant que tout le monde arrive. Comme ça, on va pouvoir euh, tranquillement attaquer. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais le refaire tel que j'ai fait mon week-end. Euh, en me focalisant sur le manga, hein, toute la partie plus perso, euh, je ne vais pas m'attarder euh, dessus, hein, bien entendu, mais euh, du coup, euh, voilà, on, va, on va faire étape par étape, donc comme ça, c'est bon. donc Ah, euh, tu étais vendredi, du coup, euh, on s'est raté, on aurait dû s'envoyer des petits messages, euh, on aurait pu se croiser, du coup, Moussachi. Euh, Sticky, non, je serai sûrement pas au TGS en novembre. il des Je ne pense pas y être. voilà Après, comme je disais, dans les, dans les conventions... Je Suis plus Angoulême, là j'ai eu l'opportunité d'y aller donc, du coup, euh, du coup, euh, euh, comment dire, le, le, le TGS, je suis déjà allé. Je pense pas que je ferai spécialement le déplacement là-bas. Puis c'est pas à côté de chez moi non plus. Oui, ta première Japan Expo, Zeno, Zeno, il est parti avec 35 sacs d'achat et de goodies. Je sais même pas comment il a fait pour tout transporter. Moi, je, moi, je te dis bravo, Zeno, <laughs> bravo parce que franchement, je n'ai aucune idée de comment tu as fait. A chaque fois je le voyais revenir, il avait des nouveaux sacs et c'était jamais les mêmes. Tout allait dans la consigne à chaque fois. J'étais mort de rire. Salut Akira, bienvenue à toi. Je crois qu'Akira, c'est la première fois que je te vois. Je crois. Allez, je propose qu'on commence tranquillement. Euh, allez, je vais partager mon écran. Hop là. Alors. Déjà, déjà, ça c'était les résultats. Alors c'est un peu petit, je pourrais pas ça je pourrais grossir. J'ai pas Instagram, mais on est pareil. Vous avez été nombreux à voter pour la. Non, je ne peux, le... peux pas le le, le, le grossir. Mais vous avez été nombre... nombreux à voter pour le, le, la Japan et sur les expositions. Donc là, euh, voilà. Il euh, euh, y a eu 74 votes. Là, il n'y a que sur le YouTube où c'était un peu plus mitigé. Mais malgré tout, c'est quand même la Japan Expo qui a gagné. Ah bah Akira, ok, déjà vu de live, je, je ne me rappelais pas. Oui, euh... <laughs> tic-tac, des fois on peut croiser des choses très particulières. Euh, très particulières à la Japan Expo, effectivement. Il y a beaucoup de, de, de cosplay, des fois. On, on va dire rechercher. Hein, on va utiliser ce mot-là pour, pour les classifier. Euh, D'accord, donc toi tu es venu à deux lives. Ok, mais j'essaierai de me rappeler la prochaine fois. Euh, et Zeno oui, t'as un entraînement spécial à la Saitama pour porter tes sacs. Donc euh, voilà, mais bon, en tout cas, c'était cool de, de te voir. Quoi. Alors, je vais vous balancer pas mal de photos et je vais vous raconter mon petit week-end. Il y aura donc les expos, euh, enfin, une première expo. Après, il y aura la Japan Expo pendant deux jours. Ensuite, il y aura euh, Paris et on finira par l'expo euh, sur Garo. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu le programme de ce soir. C'est ce qu'on va faire. Et on va prendre le temps, on a la soirée. Je vais vous montrer les photos euh, que j'ai pu prendre, donc voilà. Et euh, donc voilà, euh, ouais, Bushenson. Euh, moi j'ai mis le masque durant tout le, le festival, hein. donc euh, j'avais un masque spécial là parce que je me suis dit, j'ai pas envie de, de, ramener, euh, de ramener le truc à la maison, euh, donc voilà. Euh, donc toi, tu l'as chopé à cause de ça, tu penses? <laughs> Donc allez on va ouvrir les, les trucs. Euh, donc moi le premier jour je suis parti le mercredi. D'accord. Donc le mercredi, euh, en gros j'ai pris le train l'après-midi, puisque moi de Montpellier, il y a trois heures et demie à peu près pour aller à la gare de, de Lyon. Euh, donc euh, je suis parti dans l'après-midi et bien sûr on arrive, 20 minutes de retard. Bon, hein, la SNCF, on connaît, c'est pas grave. Donc, euh, dans, euh, dans le train, hein, je me suis tranquillement posé, j'ai commencé à lire un petit truc. Moi, à chaque fois que je pars en voyage, je pars avec ma tablette. Euh, J'avais trouvé des Tetsujin 28. Je ne sais pas qui connaît euh, euh, Tetsujin 28, euh, un manga euh, vrai des années euh, 50-60 euh, qui, euh, qui, qui était vraiment en, un peu en opposition avec Astro Boy et tout ça. J'ai trouvé, des, 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 trouvé des, des, des traductions anglaises de deux histoires, j'en ai lu une. Donc voilà, c'est pas, pas oufissime, je, je tiens à le dire. Mais j'ai lu une petite histoire d'une centaine de pages, et euh, je lirai la deuxième tranquillement. Mais bon, là, c'était pas une histoire complète, c'était vraiment un extrait. Euh, ça donnait déjà une idée, mais voilà bon, c'est vraiment du, du manga à l'ancienne, du, du, du manga pour enfants à l'ancienne. Mais Black Box va certainement le publier. Il doit y avoir beaucoup de volume quand même. Je pense qu'il va publier un best-of s'il le fait. Euh, mais par contre, j'ai enchaîné sur un super manga que personne ne connaît. C'est Dragon Ball Super. J'ai trouvé des fichiers en couleur. Alors la colorisation est un peu simpliste, mais c'est pas grave. Parce que j'avais jamais lu Dragon Ball Super. J'adore Dragon Ball, mais j'ai jamais lu Dragon Ball Super. Donc du coup, en ce moment, je suis en train de le lire. Donc le week-end enfin, le, le week prochain, le prochain live, le mois prochain, je pense que j'aurai tout lu. Je vais pouvoir vous, le, vous faire un petit retour dessus. Euh, voilà, mais ça a été ma, ma lecture du train, une lecture pas prise de tête. Euh, assez ouais, Dragon Ball Super, il y a plein de choses à dire dessus. Mais hein. euh, bah en tout cas, voilà j'ai lu mon petit Dragon Ball Super. Et en arrivant, le bah, premier truc que j'ai fait, bah, j'ai jeté ma valise à l'hôtel. Immédiatement, comme ça, j'étais débarrassé. Et une fois que euh, c'est fait, je me suis dit, bah, je vais aller faire l'expo Saiki. Et au passage, je vais aller à deux boutiques. Donc ça, c'est ce que je me suis dit euh, tranquillement. Euh, salut Emmanuel, bienvenue à toi. Donc, du coup, hop, je vais juste mettre celle-là. Euh, donc, je suis allé à cette boutique. Qui, ceux qui connaissent Paris connaissent cette boutique là, MCBD. Ah, tu regardes Dragon Ball animé, euh, Nicolas, mais tu, tu regardes quoi Les cailles ou les, les, euh, vraiment les Dragon Ball et les, les premiers Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, hein. Donc, je me suis dit, je vais profiter un peu des boutiques parisiennes. Et là, pas loin de l'Expo de Saïki, il y avait deux boutiques. Bah, je me suis dit, allez, je vais m'arrêter rapidement. Je suis rentré dans m MCBD. Euh, je suis vite sorti, qu'en fait, il y avait plein de choses, mais hors de prix. Juste hors de prix. C'est vraiment les prix d'Internet, en mode le moindre livre est à 60 balles, des intégrales à 300 balles. J'ai fait, ah d'accord, bon, bon, ben, niet, je, je, je sors. Donc, je me suis c'est pas grave, je vais aller à l'autre voilà Donc, MCBD, euh, j ai, j ai, je, je sais pas s'ils vendent. En tout cas, euh, c'était ça, moi. Et euh, je suis allé à l'autre, qui est euh, Mangadori. Et là, j'y suis allé. Et en fait, Mangadori, euh, ben, c'est un peu vide, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait quatre bouquins qui se battaient. Enfin, quatre bouquins, j'exagère. Mais, mais euh, en tout cas, rien de foufou. Euh, et surtout, euh, je pense que c'est des vendeurs de sabres. Hein, parce qu'en fait, y a plus que, ils ne vendent plus que ça, là-bas. Donc, j'ai dit, bon, ben, niveau boutique... Euh, je crois que c'est pas les bonnes boutiques pour moi au niveau de, de Paris. Donc, euh, j'ai dû, je pense, les deux boutiques, ça a dû me durer 10 minutes. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous allez à Paris, pas spécialement bon plan pour faire des affaires là-bas. Hein, je vous le dis. Donc, euh, voilà. Euh... Ouais, MC, ouais, c'est vraiment très cher, effectivement. Hein, c'est vraiment euh, hors de prix. Hein. Euh... En fait, je suis allé parce que c'était à côté de l'Espo Saiki. Donc, du coup, j'y suis allé, tout simplement. Euh, je vais pas. Euh... C'est juste à côté, je me suis dit, mais je, vais, je vais faire quelques boutiques d'occasion. Et, euh, et je vous donne mon retour sur ces boutiques d'occasion, tout simplement. Donc j'ai dit, bon, mais ça, c'est. ça ne ça, ça va pas trop. En tout cas, la politique de prix, euh, acheter 3, acheter 300 balles un truc, autant acheter sur internet, c'est pareil. Quoi. Euh, donc du coup, euh, je suis allé directement à l'expo Saiki. Alors qui connaît Toshio Saiki J'avais déjà pu dans un live euh, sur... Euh, euh, sur euh, la Mangatech, euh, puisque mon, mon Saiki, il, a, il est à côté des Mizuki, donc euh, c'était la fin de la première Mangatech, et j'avais pu montrer quelques images hein, de, de Saiki. Donc déjà, Saiki, qui c'est euh, ben En fait, bon, aujourd'hui, aujourd il est décédé, mais euh, ça fait pas longtemps en plus, hein, ça, ça fait un an, quelque chose comme ça. Mais en fait, Saiki, euh, c'est quelqu'un qui dessine des choses qui sont très... Euh, morbide, dérangeante, euh, avec euh, des personnages un petit peu innocents, entre guillemets, et qui contournent toujours la censure sans jamais montrer en fait de partie génitale, euh, voilà, ou, ou des choses comme ça. Et donc là, pour euh, la sortie du troisième livre, hein, d'un troisième artbook, je vous montrerai quelques images après, euh, ben, du coup, ils ont fait une expo. Et euh, oui, c'est ça exactement, euh, Bushenson. Et, euh, et donc, du coup, voilà c'est très cru, effectivement. Euh, et c'est assez dérangeant, c'est assez euh, voilà morbide comme je disais, vous allez voir. Et moi j'aime beaucoup saiki, ça va taffer dans aussi dans, dans, dans la mouvance et reguro etc. Et euh, j'en ai profité pour aller voir ça. Alors il faut savoir que donc ça c'est la galerie, euh, la galerie art factory, voilà là où j'ai pris euh, l'affiche. Hop là je vais zoomer un peu plus pour vous. Il y, y a un petit bug, je sais pas pourquoi le le comment s'appelle le ça apparaît en petit, j'ai oublié de zoomer. Alors le premier truc que j'ai vu ce sont euh, les figurines. Là je vous le montre direct. Alors je vais vous trouver une petite vidéo. Hop, j'en ai fait une je crois ou deux. Voilà. Donc ce sont des petites figurines de 7 cm. Donc je vais vous montrer et elles sont super belles. Alors hop, celle-là. Vous voyez donc là celle derrière avec le avec le poulpe, là, elle est en elle est en Comment s'appelle Elle est en, en affiche. Voilà, celle-ci là avec la tête euh, dessus. Et vous allez voir les images, vous allez mieux comprendre. Salut dit. Bienvenue à toi Donc là, voilà, avec le démon qui marche sur, euh, sur la gamine. Euh, à gauche, là, on a un démon là, qui ressort ici. Et voilà, à droite. L'autre qui s'est fait soulever sa jupe par un démon invisible. Et, euh, et elle qui écrase un démon. Alors je les ai pris en photo là, vous allez bien le voir. Je vais vous remettre la vidéo, euh, histoire que vous voyez bien. Euh, alors c'est pas des gâchapones, c'est plus grand, ça fait, euh, ça fait 7 ou 8 cm. Euh, c'est super bien fini euh, et tout. Et en fait, c'est vendu dans un coffret. Un coffret édité à seulement 100 exemplaires. Moi, vu, enfin, quand j'ai vu les figurines, j'ai fait Ah, oh, il me les faut, quoi. Je vais les acheter, euh, je vais mettre le prix, c'est pas grave. Euh, Fais-toi plaisir, quoi. C'est pas souvent qu'il y a des trucs comme ça. Et là, le prix euh, pour cette figurine avec le coffret limité, je vous laisse me faire les propositions dans le chat. Allez-y. En attendant, je vais vous montrer quelques images et je vous réponds dans, dans quelques minutes. Alors, je vous remonte quelques, quelques photos des figurines. Euh... Hop là. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc celle-ci, celle-ci. Donc cette figurine, je vous laisse répondre pour l'instant. Je vous montre les images. Celle-ci dans le bain. Elles sont très bien finies. Hein. Voilà, ça c'est ma préférée, celle-là. Celle-là, elle est trop belle, trop, trop belle. <laughs> <J 'aime ça. rire> Donc celle-ci, je vous montre. Je, je passe du temps parce que vraiment, elle était super belle, quoi. Celle-ci, celle-ci, j'aime bien là, qui qu sort, ça sort des toilettes, en fait. Euh, celle-ci, la plus coquine, là. On voit ses fesses, bien sûr. Celle-ci, enfin, je l'ai montrée déjà. Donc ça ne sert à rien parce que j'ai pris. Voilà. Et après, il y en avait une grosse. Alors celle-là, c'était encore à part. Euh, celle-là était beaucoup plus grosse. Elle faisait au moins, euh, moins 10-15 cm. Donc voilà. Euh... Alors, les prix. Voyons voir ça. 200 euros, 500 euros, un bon 140 euros. 140 euros, je les aurais prises. Euh, 350, 500 euros, 800 euros, 400 euros, 600 euros, 550. <laughs> Je vois Philippe Rizoli, oui, tout à fait. 300 euros. Euh, Salut Nico Robin, bienvenue à toi. Euh, et du coup, on est en train de parler de l'Espo Seiki. Euh, alors, le prix, il y a quatre chiffres. Voilà, il y a quatre chiffres. Je pense qu'elles sont en plastique. Je vais vous montrer le coffret, comment, comment il est. Il est là. Voilà. Le coffret est là. Vous voyez, avec les, six, les, les, les sept figurines qui vont là-dedans. Alors, je vais zoomer sur l'image. Je ne sais pas si on va le voir. Ah, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Euh, alors, le prix, parce que je vois, il y en a, ça y est, là. Il tente les 1400, les 1250. C'était 2500 euros. Voilà, 2500. 2500. Euh, du coup, je suis désolé, mais là, je c'était hors budget d'à peu près 20 fois. <laughs> C'est tout. Voilà. Oh, euh, sinon, normalement, c'était 2500. Après, de toute façon, que ce soit 2300 ou euh, 2500, honnêtement, à ce prix-là, tu pas à 200 euros près. Ok Voilà, donc ça fait mal aux fesses, effectivement, Kira, comme tu dis. Euh, donc, non, j'ai pas acheté Nico Robin. Là, je, je suis désolé, je, je ne gagne pas cet argent là. Je, voilà Autant je, je peux m'acheter des mangas, mais ça, c'est mon budget manga à l'année. Hein. <laughs> 2500 euros quoi. Donc, voilà. Alors, pourquoi ça vaut 2 SMIC euh, ben Parce que euh, c'est en édition 100 euh, exemplaires, c'est euh, signé, euh, c'est des résines qui sont euh, très certainement euh, quasi fait à la main, je pense, euh, au niveau peinture, etc. Donc, je pense qu'il y a. Y a, y a, c'est pas industriel. Automatiquement, ben, ça se paye. Et, euh, et voilà, on paye le on paye le le savoir-faire, euh, on, on paye le, 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 on paye la, le, le peu d'exemplaires. Et en plus, c'est vraiment pour des collectionneurs euh, là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des collectionneurs qui seront prêts à mettre cette somme-là. Ça ne sert à rien de vouloir les vendre à 50 euros. De euh, toute façon, il, le grand public n'achètera pas ça. Euh, voilà, donc du coup, est-ce que ça les vaut ben, Écoute, si t'es millionnaire, oui. Si tu es Smicard, non. Hein, voilà. Donc, ça, ça après euh, le, le prix des objets. Est-ce que ça les vaut C'est très personnel. Personnellement, j'ai passé mon tour. J'ai fait écoutez, on va prendre plein de photos, plein de vidéos. Ça sera parfaitement suffisant. Salut Boris, bienvenue à toi. T'as raté le juste prix juste avant. On était en train d'estimer le prix de ces figurines. Euh, et donc, euh, du coup, cette belle figurine euh, pour 2500 euros. Voilà, qui dit mieux. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, à ce prix-là, euh, euh, Gakumetsu, effectivement, on a une méga résine de de, de, de m. Ce C'est pas pour le, le, le même public. Euh... <laughs> C'est ça, et maintenant, exactement, il y a une légende dessus. Euh, donc voilà. Euh, du coup, alors on continue. Alors, il faut savoir que l'exposition, euh, au début, voilà, euh, donc il y avait une, il y avait une pièce euh, à l'étage, l'escalier, euh, puisqu'il y a la boutique. On rentre, on a la boutique. Je pas fait des photos de la boutique, etc. Euh, on rentre, on a la boutique et on voit de suite euh, des panneaux euh, là-haut à l'étage. Donc, ça, c'est le côté gauche. Et euh, ensuite, on a ce que j'ai, le côté droit. Voilà, avec, un, avec un, un tableau ici. Donc, là, c'est ce qu'on a. On va aller râler un petit peu plus en détail. On va pas tout regarder en détail, mais euh, on va regarder quelques-unes. Euh, donc par exemple ici, on va retrouver immédiatement, euh, celle là c'est mes préférés. Hein. On va retrouver le poulpe ici, voilà. On va retrouver euh, ce, voilà les limaces. Et ça, ça, voilà. Si vous aimez un petit peu les animaux, si vous êtes amis des animaux, c est, c est, euh, ces petites images devraient vous plaire. Alors il faut savoir que euh, tout ça, ce sont des reproductions, euh, donc très haute qualité, euh, très grand format, parce que là ça paraît pas, mais c'était un truc qui, était, euh, qui faisait euh, de comment dire, euh, qui devait faire un mètre de haut sur. sur enfin, euh, par exemple, là sur celle-là, c'est peut-être un mètre de large sur 50 cm de haut minimum, quoi. Donc c'était quand même des trucs assez grands, voire plus grands encore, j'ai pas, pas mesuré, hein, je vous avoue. Euh, et donc là, ça c'est un exemple. On a. Voilà, d'autres ici. Je vous montre. Donc ça, c'est le style Saiki. Hein? Donc voilà, toujours avec des démons, des trucs un peu dérangeants. Voilà, genre la femme qui tue son mari. Euh, tout, tout ça se perd sur une, 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 jeune, une jeune vierge sûrement innocente. Il y a des trucs un peu chelous comme ça. Euh, exactement, Arnaud, ça fait 350 euros la pièce. Et on ne pouvait pas les acheter séparément. Hein? Euh, voilà, des images. Euh, d'autres images. Qu'est-ce qu'on a de beau on a celle-ci. Voilà, donc avec le très certainement le mari, euh, le mari décédé euh, derrière. Alors on a des certificats aussi. Hein. Donc voilà, ce sont des tableaux qui sont vendus avec des certificats. Il y a assez peu de copies. Euh, et en fait, ce pas des originaux justement. C'est des euh, copies à très très peu d'exemplaires en très haute qualité. Euh, apparemment signées, euh, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, donc il y avait des certificats d'authentification. Je vais vous montrer quelques images de la galerie. Oh, attendez. Hop, je vais peut-être vous mettre plutôt les images. Voilà, ce sera mieux ça. J'avais pris quelques petits euh, pavlins comme ça pour que ce soit plus joli. Hop là Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment est, est composé l'expo. Moi j'aime beaucoup hein, ce côté très étrange, très très chelou. De, de, de ce côté là ça c'est j'aime bien euh, voilà donc euh, et donc c'est vraiment que des voilà, que des images alors, je vous zoom dessus euh, comme ça hein. et puis bon ben je descends et puis je me dis euh, bon ben voilà la n'était était pas très grande euh, euh, c'était comme ça euh, c'est toujours le plaisir d'y aller alors juste avant à chaque fois bien sûr les tout est euh, achetable d'accord il y avait déjà des trucs apparemment qui étaient déjà achetés euh, donc, ça, comme j'ai dit, c'est au moins un mètre de haut sur 50, voire peut-être un peu plus grand encore. Hein. À votre avis, c'est quoi le prix de chaque illustration Puisque de ce que j'ai vu, chaque illustration avait le même prix. Je vais voir si. Je crois que j'avais pris en photo l'étiquette. Donc, allez, c'est reparti pour le prix. Il n'y a que là où on voit les prix. Hein, de toute façon, après les autres expo, on ne les voit pas. Je regarde si, si j'ai pris. Ah ouais, celui-là, voilà, je l'ai pris. Alors. Là on a du 500, on a du 5000 euros du coup et maintenant la direct. Bushenson 3000. Donc euh, la série de peinture Magritte. Je connais pas la série de peinture Magritte. Non, je prends en photo comme ça. Waouh wow, wow. J'ai le chat là qui s'emballe. Voilà, comme ça je raderais ça après le live. Et donc tu dis Lady toi, tu dis effectivement les couleurs rendent vraiment bien, l'ensemble très singulier, souvent aussi criard que cru, on a l'impression de petites scénettes théâtrales entre culture japonaise et surréalisme. Bah, écoute, tu l'as très bien décrit. Félicitations. Euh, C'est une belle description. Je, je vais la garder. Je vais te voler cette description. Je trouve que tu le décris très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a compris 250 euros, 3 chiffres, 4 chiffres, euh, 40 000 euros et du. Ils sont, ils sont, euh, allez, Il achète l'expo, lui, à 40 000 euros. 2 <laughs> millions, il n'abuse pas. Trop cher, si ce n'est que des copies. 20 000 euros, 5 000. Salut, brochette Bienvenue! Voilà, donc voilà, bon, ça y est, vous vous emballez sur tous les prix. Alors, en moyenne, euh, en moyenne, à peu près, on était à ce prix-là. Euh, on était à 3000 balles, en gros, en moyenne. Donc là, vous voyez, un exemplaire, édition limitée, euh, signé et numéroté. Donc, ils sont tous normalement signés. Euh, et donc, il y a un exemplaire à la vente à la librairie 2850 euros. Une illustration qui était dans Redbox, donc ce n'est pas un original, c'est bien une copie en très peu d'exemplaires. Mais voilà, donc euh, eh ben, on voit c'est euh, le papier estampe letterpress sur papier japon imprimé en 72. Donc euh, voilà. il faut après être collectionneur hein, pour, les, pour les avoir. Salut euh, Lilololi! Donc il y en a qui, avaient, qui étaient proches hein, au niveau des prix. Félicitations. Et donc du coup, comme je disais, ben, euh, une fois que j'avais vu ça, j'ai regardé 17 fois. Et euh, puis je, je me dis, bon, ben, je, je vais y aller. Sauf qu'en fait, il y avait une seconde pièce. Et cette seconde pièce, est-ce que j'ai pris une photo d'ensemble Oui. Voilà, en fait, on descendait, il y avait une seconde pièce avec d'autres tableaux. Donc je dis, ben, c'est parfait, on va y aller. Alors, c'est intéressant, je t'invite à aller voir la série. Ok, mais je, je note ça, merci, Manon. Je le prends en screenshot, comme ça après je pourrai le voir tranquillement. Demain, ça traînera sur mon, le bureau de mon ordinateur. À ce prix-là, ça serait triste que les poissons d'argent les mangent. Oui, mais à ce prix-là, il reste dans un cadre. Hein. Tu ne les, tu les, tu les, tu les sors pas. Hein. Donc il y avait une deuxième galerie. Euh, enfin, une pièce. Voilà, là vous avez le, le côté droit, côté gauche. Et il y a aussi l'autre côté. Euh, je ne sais plus où c'est. Euh, et en fait, il y avait même une troisième pièce et on pouvait encore descendre. Donc il y avait plein de tableaux à voir. Euh, donc ça, c'était plutôt cool. Et donc des tableaux, cette fois, qui étaient un peu plus, plus un peu plus cru euh, en termes de euh, là dessus. Euh, tic Tac, oui, tu fais une bonne photo. Le problème, vous voyez, on me voit à travers. Vous voyez là, il y avait tellement de lumière. C'est le problème à chaque fois qu'on fait des, des photos. Euh. Euh, donc euh, on aurait pu mais non. Euh, donc du coup voilà des exemples de photos euh, euh, qu'on peut avoir. Enfin d'illustrations de, de, qu'il pouvait y avoir. Je vous en mets quelques-unes. Donc là on était plus sur du noir et blanc ou des couleurs. Euh, voilà on voit que c'est des créations beaucoup plus anciennes. Hop là voilà, il y en avait des comme ça. On me voit bien, on me voit bien au milieu en train de prendre des photos ça va trop vite vous me le dites hein donc voilà donc celles là sont beaucoup plus anciennes euh, je vais vous mettre une petite vidéo Hop. voilà vous allez voir un peu la galerie comment elle était donc voilà ça restait assez grand Là, là par contre les pièces étaient plus petites hein, en termes de d'impression. Euh, allez hop, on continue. Bon, avec les vidéos c'est un petit peu plus interactif. J'ai essayé de prendre plein de petites vidéos comme ça, ça, ça dynamise un peu. Et puis ça pourra toujours me servir d'archive un jour. Alors, hop, on va faire un peu de vide. Voilà. Ça, j'aime bien ce tableau. C'est juste des vagues, mais j'aime beaucoup. Il y en a des plus, euh, des plus creepy, genre celui-là. Ça fait un peu penser à El Riser. Alors, pas celui-là. Par contre, il est un peu plus cru aussi à la fin. D'habitude, on ne voit pas de, de, de nudité, et là, on en voit dans, dans ça. Donc, je ne vais pas les mettre, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup celui-là, avec les papillons en fond. Voilà, là, là je ne connais pas ces, cette période-là. Euh, je suis plus habitué à voilà, avoir des images comme ça. Parce que ça manquait un petit peu d'explication. De, il y avait vraiment, c'est plus une galerie de vente. Quoi. Donc euh, on pouvait voir les illustrations, mais il y avait, il y avait un texte sur l'auteur. C'était un un, presque un peu su, insuffisant. Euh, après, on a encore des vidéos. Ouais, ça c'était la dernière pièce si je me trompe pas. Parce que j'ai d'autres vidéos. Hop là, celle-ci. Voilà, voyez un petit peu le comment c'était. Voilà, donc euh, hop là. Donc voilà, donc c'était vraiment très sobre au niveau de, de l'exposition. Euh, mais euh, c'était très cool de voir, euh, même si c'était reproduction, c'est quand même très bien fait, et c'était très cool de voir plein de, euh, plein de tableaux euh, de, 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 de Saiki. Et à la fin, bon mais bien sûr, on pouvait acheter, euh, on pouvait acheter les, euh, les artbooks. Moi j'avais déjà celui-ci avec Arla, donc j'ai acheté fièvre Nocturne, on va le regarder rapidement et on pouvait aussi acheter ça, donc c'était des pins sur Saiki, je les aimais bien, ils étaient un peu euh, un peu chelou euh, et puis les pins euh, ils coûtaient 20 balles pièces Bon à 20 euros, j'ai un peu hésité, j'ai fait euh, on va les laisser, <laughs> je les ai pas pris, c'était un peu trop cher, voilà ça, ça reste de la déco, ça reste des trucs comme ça, donc, j'ai dit, bon, ouais, là, on là, ne va pas aller plus loin. En tout cas, Saiki, du coup, je suis content d'y être allé. Euh, c'est une expo qui, finalement, est assez grande. Salut, les villes. Et euh, c'est une expo qui est assez grande, mais euh, euh, voilà. Y aller spécialement, peut-être pas. Mais en tout cas, si on est sur Paris, c'est dommage de ne pas y aller. En tout cas, j'en ai bien profité. Je suis resté un petit moment. Et, euh, et là, derrière, bah, du coup, j'ai le... acheté l'Artbook. J'aurais aimé avoir un peu plus d'explications, un petit peu plus de mise en contexte, mais ce n'est pas vraiment le but de la galerie. Donc, je ne faut pas trop le en vouloir. Le but, c'est surtout mettre l'auteur en avant et essayer de vendre quelques, quelques trucs. C'est quand même drôlement moche. Merci, Émile pour ton commentaire. Toujours d'une grande qualité, comme tu le sais. Donc, j'ai acheté l'arbre qui me manquait. Je ne l'ai même pas feuilleté encore. Hein. Enfin, je l'ai feuilleté, mais à l'arrache vraiment à l'arrache. Va... Pardon, pour le micro, on va regarder ça ensemble. Alors, bon déjà, hop là, on va remettre ça. Déjà, la couverture, euh, elle donne le temps, hein? on est d'accord. Qui en a déjà acheté du, des artbooks de Toshio Saiki? Et qui, euh, et qui ça intéresse du coup Parce que j'en avais déjà parlé dans un live. Mais euh, au final, j'ai juste montré euh, les livres sans plus. Bon, il y avait un petit carton qui donnait. Euh... Voilà. Donc, j'aime beaucoup les couleurs à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a Voilà, on va avoir des images comme ça. On va avoir des images comme ça. Vraiment, ça. C'est dérangeant. Voilà, des images comme ça. J'adore les couleurs. Hein. J'adore les couleurs à chaque fois. Donc voilà, Arnaud Akira, c'est bon, vous les avez. On va en parler de Garrot alors Zeno. On va en parler, ne t'inquiète pas. Voilà. Et honnêtement, le peu que j'ai feuilleté, c'est mon préféré des artbooks. Hein. Voilà, Celui-ci. Je passe des pages, hein, je ne vous montre pas tout là. Ah Là, les rôles sont inversés. Ouais, Nico, c'est très intriguant, moi j'aime beaucoup, genre ouais, euh, ça. Il y a toujours ce, ce malaise en fait dans les images où on se dit mais et pour, pourquoi il se passe ça en fait, c'est pas logique. Voilà, le mal qu'on euh, qu essaie de soigner. Beaucoup d'interprétations dans, dans les images de Saiki. Je ne suis clairement pas la bonne personne pour, euh, pour interpréter ça proprement. Mais je pense que voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est... Euh, c'est euh, l'interprétation justement de, de, des planches, avoir un petit peu plus d'explications. Moi je serais, euh, je serais partant pour avoir un peu plus de détails. Enfin, j'aime bien ces dégradés de couleurs aussi. Et il est super beau, hein? franchement, moi j'aime beaucoup... Euh Ouais, le, le rouge est moins bien, je trouve, effectivement. Voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré de, de la série. Je trouve qu'il est cool, celui-là. Je trouve qu'il est très, très cool. Le médecin pervers. Ah, Celui-là, on l'a vu. Voilà. Alors, on va arrêter là. Mais vous avez vu pas mal d'images. Alors, bien sûr, c'est du Cornelius. Donc, c'est toujours des beaux ouvrages pour ceux qui adorent les beaux ouvrages. Euh, donc, Art cover, euh, Voilà. Et le dessous est très beau, généralement aussi. Hop, vous voyez C'est ce genre d'ouvrage-là. Voilà. Donc, euh, avec du argenté. Euh. Voici Fièvre Nocturne. Alors, il coûte 29,50 euros. Donc, effectivement, ça va s'adresser à des, plus des collectionneurs ou des personnes qui ont envie, en tout cas, d'avoir le volume. Parce que, euh, ben oui, 30 euros, c'est quand même une petite somme. On ne va pas se le cacher. Euh, et tous les livres sont, sont assez chers. Ils sont dans les 30 euros, généralement. Euh, clairement, de ce que j'ai feuilleté, c'est mon préféré des trois. Le, après, ça serait le bleu. Et un dernier, ça serait le rouge. Donc, Emmanuel, très intéressé, mais pas encore en ta possession. Euh... Hop là, je suis un peu remonté dans le chat. Hein. Euh, donc voilà, Arnaud, t'as revendu le rouge, comme tu disais. Euh... D'accord, oui. Donc, il quand même, tu choisis vraiment des belles éditions. Alors, je me rappelle plus, des euh, à la fin, ce qu'il avait écrit, euh, ça fait trop longtemps que je l'avais je l'avais euh, enfin je, je l'ai vu en tout cas voilà euh, donc là on a on a fait hop là je vérifie que j'ai rien oublié euh, donc ça c'est bon euh, voilà alors il faut savoir qu'après bon ben c'était déjà l'heure hein, de, de partir on n'était que le premier jour hein, voilà Voilà, c'est ça. Il y a trois classes sociales comme Philippe Jensen ceux qui peuvent s'acheter des Cornelius, ceux qui peuvent s'acheter des figurines et les autres. Nous, on est tout en bas. Voilà. Euh, quels sont les autres de l'auteur Il fait des illustrations, surtout. Nicolas, il ne fait, il fait que ça. Euh, donc, du coup, tu as, tu as le, le rêve écarlate, tu as Fièvre nocturne et tu as Redbox. Tout est sorti chez Cornelius. Alors, il faut savoir que, comme j'étais sur Paris, j'avais demandé à Manga Curator et à. Et à et à Mythos de me dire mais c'est quoi les meilleurs restos de Paris et euh, au final euh, ils sont partis dans un débat où ils n'étaient absolument pas d'accord donc finalement à la fin j'ai pas su à quel resto aller pour me faire un bon japonais et euh, donc j'ai fini par manger au coréen voilà je me suis pris ça hein. alors je vais pas faire tous les plaques culinaires euh, de ce que de, de quoi j'ai mangé mais c'était très bon voilà je tiens à vous le dire c'est un, un c'est ça là un Chapchait Topab, ça se dit sûrement comme ça, avec des petits accompagnements, euh, ça, ça m'a arraché la gueule, euh, mais c'était très bon. Voilà, je voulais juste le dire, donc du coup, je n'ai pas mangé euh, japonais comme je voulais, mais c'est pas grave, c'était quand même très bon, mais ça m'a euh, calé. Alors, le jeudi, donc parce que le soir, après, ben, je suis allé dormir, bien entendu, et le jeudi, euh, ben, ça y est, euh, c'était le moment de la Japan Expo. Alors, euh, pour petit rappel, j'ai fait une vidéo sur Angoulême et dans Angoulême, je rappelais, euh, enfin j'expliquais mon parcours et euh, mon comment dire, mon affect, pardon, mon affect avec le, les conventions. Donc j'expliquais que dans les conventions, j'en ai fait beaucoup, euh, des petites, des grosses, etc. Que bon, bah, à force, je commençais un petit peu à tourner en rond. J'avais fait la Japan Expo en 2017. Et pour moi, c'est un petit peu la dernière fois que j'allais faire la Japan Expo et la dernière fois que euh, j'allais euh, dans une expo de ce genre parce que je préférais Angoulême. Voilà, ça c'est ce que j'avais fait. Je vous invite à voir la vidéo. Euh, donc, euh, je vais vous la mettre dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous la, vous la regarder euh, tranquillement. Euh, Laissez-moi une petite seconde, je vais la trouver. Elle ou la vidéo Angoulême. Hop elle s'appelle Angoulême, voilà, c'est ici. On va en profiter, on va mettre des liens. Toc. Profitez-en aussi si vous aimez euh, le live. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et même mettre des commentaires après dessous. Euh, ça aide pour le référencement. Ça coûte rien. Donc euh, n'hésitez pas là. Vous, en deux secondes, vous mettez, vous mettez like sur le like sur la vidéo. Et ça serait top. Et pareil, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, euh, tous les mois, il y a des nouveaux Patreons qui arrivent avec du contenu exclusif. Il y a d'autres façons de, de, de parrainer sans que ça coûte que dalle, euh, juste avec les liens affiliés. Donc regardez dans la description, ça aide énormément la chaîne, euh, ça me permettra d'investir dans du matériel, etc. Donc voilà. Salut, Swat Alors, euh, du coup, comme je disais, alors ça, hop, là, on va pouvoir le masquer. Euh, je suis à la Japan Expo, et donc là, ben, ce qui s'est passé, je n'étais pas censé y retourner. Mais euh, en gros, on m'a proposé de prêter main forte euh, en bonus sur un, sur un stand. Donc, euh, on me proposait bah, du coup de, de, de m'offrir l'entrée et, euh, et le voyage là-haut. J'ai dit bah, écoutez, euh, euh, parfait, il n'y a aucun problème pour venir prêter un petit coup de main et en même temps profiter un petit peu du festival. Donc là. J'ai accepté, c'est pour ça que je me suis retrouvé à la Japan Expo et au dernier moment euh, parce que ça arrivait un peu euh, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Je n'étais absolument pas prévu et ben, j'ai dit bah, je ne vais pas refuser euh, une, une invitation pareille, c'est trop bien. quoi. Donc là, ben, c'était pour ça que je suis allé à la Japan Expo cette année. Alors, euh, donc, euh, donc bien sûr la Japan Expo pour ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui connaissent, on se lève tôt. Hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de monde. Euh, dès la sortie du... Euh, dès la sortie euh, du Trump, Ceux qui connaissent, là, ils savent. Hein. Euh, ça, ça a été fait... Euh, à quelle date ce truc Voilà, à 7h50 du matin. Hein, déjà sur place. En fait, Boris, c'est plutôt... Euh, ça n'a pas d'intérêt en soi... Et, euh, et donc du coup c'est pas les choses qui sont nécessaires que, que je dise. Autant rester sur la partie manga, euh, Voilà, ça, il faut juste savoir que de toute façon moi j'ai pas de lien avec l'édition la, la, etc. Euh, même dans mon, dans mon métier euh, ça a juste rien à voir. Donc c'est pour ça que je préfère juste se concentrer sur le manga et garder un minimum de vie perso même si il n'y a rien de, de vraiment secret euh, honnêtement. Je, je fais du secret pour du secret, c'est juste garder un petit peu son, son, son petit jardin à soi hein, et de ne pas tout, tout dévoiler sur, euh, sur internet. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin je mentionne euh, cette partie-là. En tout cas, bon, ben, ceux qui connaissent la Japan Expo, la première chose à faire, moi j'avais une accréditation à faire. Donc là, l'accréditation, ça, euh, ça a été compliqué. C'était compliqué parce que euh, en gros, j'étais censé aller à à, au hall numéro 7 donc c'est des entrées sauf que je suis pas passé par le bon truc et le gardien me dit mais non les exposants c'est le hall numéro 2 on va au hall numéro 2 on fait le on fait la queue une fois qu'on a fait la queue nous dit ah ben non vous avez pas d'accréditation il faut que vous alliez la chercher mais c'est où mais c'est au hall numéro 7. OK on y retourne au cas où effectivement on a vu qu'on était mal rentré. On arrive on fait bon ben super on va récupérer nos accréditations et du coup euh, on arrive et ils font Ah ben non, euh, vous êtes pas vous Ah oui, mais euh, normalement c'est ça la procédure. Ah oui, mais euh, la personne n'est pas là. Ah donc, euh, après il y a le, le responsable de la Japan qui était là derrière, il regarde, il fait Non, mais euh, ça marche pas comme ça, hein. euh, c'est pas bon. Hein. Ah oui, mais nous on nous a dit que c'était ça, j'y je, 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 peux rien quoi. Alors finalement, il, fait, il appelle. Il, il valide. Bon ok, bon mais du coup par contre il faut faire une demande. Alors vous changez de fil et vous allez là-bas. Ok, donc on rechange de fil, on refait la queue. Naturellement, un mec, c'est comme aux courses, euh, toujours la, la caisse qui est la plus longue. On a attendu mais une demi-heure avant qu'il finisse son accréditation. Au bout d'un moment, on arrive, ils nous prennent en photo, ils nous la sortent. Ce qui fait que j'ai pu avoir ma belle accréditation. Elle est là voilà, donc c'est exactement, c'est comme dans Astérix, on a passé une heure en fait à, à faire des allers-retours à gauche, à droite, etc. À la fin on était là, on fait. On va l'avoir ou pas Donc on avait le Graal, on était content. Bah c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on était rentré par la partie euh, là, bah, moi je, je suis le chemin, je montre, et on me laisse passer parce que vous savez qu'elle tickets différents, différent pour rentrer plus tôt, etc. Et, euh, et on arrive au portail, ça marche pas. Et le mec me dit Ah mais vous, euh, vous avez un, un passe pro. Euh, euh, ben en fait c'est pas ici l'entrée. Il était là, je fais, je vais pas me retaper tout le truc. Mais non mais c'est bon. Passer, passer, euh, euh, c'est réglé. Oh, mon dieu. Euh, C'était compliqué déjà. Mais bon, après une fois qu'on a le passe euh, c'est réglé, c'est bon quoi. Donc voilà. Euh... Voilà. Donc du coup, il dit, on va en parler la dédicace euh, euh, de Kutéri. Euh, donc, du coup, euh, ouais, ben bah, effectivement, euh, voilà. Moi, je connais pas l'organisation habituellement, mais là, c'était un peu l'enfer. Mais c'est pas grave. Avec un petit peu de, de résilience, on y arrive. Alors, il faut savoir que, voilà, hein, euh, les, les euh, là, quand on faisait la queue pour l'accréditation, j'ai pris. Parce qu'on le voit pas. Quand on est, quand on est à, à vue, à, à, hauteur de, à hauteur de, des yeux, on voit pas le fond, on voit on voit que ça. C'est-à-dire qu'on voit juste ça. Voilà. Et en fait, j'ai levé mon téléphone, j'ai pris une photo et en fait, j'ai vu qu'il y avait une masse au fond de personnes. J'ai dit, mais mon Dieu, tous ces gens qui attendent, c'est incroyable. Euh... Ah, oui, d'accord, oui. Donc, soit toi, ton pote, il n'a pas eu de chance, quoi. Salut Matojora, bienvenue à toi. Ben, on arrive sur la partie Japan Expo. Matojora, Patreon, ton nom est affiché maintenant au début. Euh, effectivement, j'ai rencontré Ed, je vais en parler tout à l'heure. Euh, donc du coup, voilà, un monde fou. Alors Honnêtement, si vous allez à la Chapelle Expo, il faut prendre les tickets pour rentrer plus tôt. Hein. Sinon, euh, vous êtes sûr de ne pas rentrer. Donc voilà, vous voyez, le monde euh, incroyable. Mais malgré tout, j'ai réussi à rentrer. Donc avant d'aller euh, sur le stand où je devais euh, prêter main forte, euh, je suis allé un petit peu balader puisque j'étais quand même, j'ai quand même de la liberté de pouvoir balader, euh, il n'y avait pas d'obligation d'avoir des heures hyper fixes. Le but c'était aider et être là quand, quand il fallait. Donc euh, voilà. Euh, donc alors j'ai pas pris 15 000 euh, j'ai pas pris 15 photos des allées. La Japan Expo c'est pareil chaque année. En 2017 euh, j'en ai pris plein. Donc là je vais vous montrer les quelques photos que j'ai prises. Euh, donc là c'est, vous voyez ça, les allées sont encore vides. Hein. Là c'était, euh, c'est quelle heure là C'était 9h37 hein, le premier jour. C'était rempli, ils avaient vendu 60% des billets. Donc du coup, c'était un jour qui allait bien. Le samedi, ils avaient vendu tous les billets. Donc effectivement, il dit, euh, si tu ne prends pas les passes euh, spéciaux, là, les biais, etc., tu es parti pour faire la queue des, des, des dizaines, euh, des, des heures et des heures. Donc le stand Cana, on voit le stand Glena, tous avec des gros stands, euh, tout beau euh, derrière. C'était un petit peu le concours de qui a le plus gros stand, bien naturellement. Euh, on n'oublie pas, bien sûr, le Naruto géant qui a à peu près, je sais pas, moi, 90 ans, ce Naruto. Hein, je pense que depuis que, que Okusai a créé le manga, il y avait déjà ce Naruto qui était euh, présent dans l'exposition. Donc je sais que Naruto, ça cartonne, mais ça fait combien Ça fait, bah, je ne sais pas, moi, ça fait, fait 20 ans qu'il est là, ce Naruto. Mais en tout cas, il est toujours là, hein. il marche, hein. ils ont investi dedans. On peut dire qu'ils auront euh, rentabilisé. J'aurais aimé, moi, le voir se gonfler se gonfler et dégonfler là il doit ressembler à rien là. ça devrait être très drôle il devrait le filmer ça et le poster ça serait très très drôle quoi euh, donc ce Naruto il faut savoir que du coup sur le stand de Glenna euh, ils ont justement une très très bonne une très très bonne idée euh, que personne n'a jamais pensé euh, faire un personnage en ballon notamment One Piece hein. Donc euh, du coup voilà et c'est incroyable, jamais personne n'y avait pensé. Donc euh, voilà ils ont fait un, ils ont fait un, un Luffy euh, en ballon. Peut-être ça sera le, le remplaçant du Naruto euh, quand le Naruto va crever euh, un jour. Euh, donc voilà donc du coup vous avez ce Luffy géant. Alors, on ne peut pas l'irrater hein, pour euh, c'est des bons points de repère. Hein. Ça c'est sûr. Euh, donc voilà après euh, il y avait quelques allées de stand, Je vais vous montrer euh, rien incroyable. Le stand de Panini. Euh, qui était ici euh, le stand euh, pas loin voilà il y a le stand Issan Manga qui est euh, aussi grand que le stand Kana et tout le reste euh, donc du coup euh, voilà donc du coup c'est une petite équipe mais euh, les moyens de la Japan Expo sont là hein, puisque c'est la Japan Expo Issan Manga donc du coup ben, voilà, ils avaient un stand énorme qui était vide euh, très vide par rapport aux autres éditeurs mais euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on a on a naturellement euh, ben là c'était meyan euh, je dois avouer que Meian, ils ont fait une, une, une très belle édition. Là. Euh, on va en parler tout à l'heure. Euh, voilà, il y avait un stand, euh, stand Webtoon qui était immense aussi, euh, qui était toujours rempli. Hein. C'était incroyable. C'était euh, rempli en permanence. Et on, pareil, avec ce verre fluo, on ne pouvait pas le rater. Euh, clairement. D'accord, il y a les photos quand il est dégonflé. Il faut là que je cherche ça. Alors, ça va être très rigolo à voir. Euh, Est-ce qu'Akira t'es déjà allé une Japan Expo? Euh, tu l'as peut-être répondu tout à l'heure, mais comme il y a beaucoup de messages, euh, je vais peut-être pas, pas vu ou pas... Je ne me rappelle pas. Euh, alors, il n'y a pas eu de combat, euh, buchenson je suis très déçu, mais euh, en tout cas, ils étaient là. Alors, il faut savoir, tout à l'heure, je disais, effectivement, euh, le premier truc que j'ai fait, je n'ai pas pris en photo, mais euh, Max, enfin, euh, Mythos m'avait demandé euh, de faire ses courses. Donc, du coup, j'ai dit, allez, euh, du coup, on y va. Et euh, donc, je lui ai pris euh, des noévé euh, je lui ai pris, euh, donc j'ai pris Five Star Stories, j'ai pris la pompe Prisonnière et plein d'autres choses que je connais même pas les noms tellement que c'est trop japonais. Euh, et, je, et après voilà, j'ai pris euh, plus tard des euh, Kurakuri Circus, Kurakuri Circus, je m'en rappelle plus à peu près par là le nom. Euh, et je sais plus ce qu'il y avait sur sur euh, En tout cas, j'ai pu les lire ce week-end. Je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai pu les lire, j'en parlerai à la fin et euh, ça sera l'occasion, s'il reste du temps, sinon j'en parlerai le, 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 mois, enfin le, le live prochain. Karakuri, merci, soit Karakuri, je ne sais jamais le dire. Euh, karakuri qui veut dire les marionnettes en fait, hein, au final. Et dit le webtoon, c'est les mangas manois sur Internet que tu peux lire, tu as une application webtoon et tu en as plein d'autres de, de chez les autres éditeurs. Et là, tu avais le stand webtoon avec l'application webtoon. J'en lis un petit peu de temps en temps. En ce moment, je lis sweet home. Et euh, je lis True Beauty parce que c'est mon petit plaisir coupable de, de lire ce manga. Euh, ce qui fait que, moi, alors ce que je peux vous montrer, c'est la pomme prisonnière. Euh, la pomme prisonnière qui ne sort qu'en septembre. Donc, du coup, euh, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, je vais faire attention aux planches parce que je ne peux pas tout montrer. <laughs> là, il a, là, il y a du goût. Euh, merci pour l'explication, Bushenson. Euh, donc voilà, tu n'es pas, voilà, pas allé à Kira, toi la Japan, et Boris-toi non plus. Euh, donc voilà, ça vaut franchement y aller une fois, ça vaut le coup. Je là je l'ai pas expliqué en, en début, mais la Japan Expo, honnêtement, quand j'y suis allé en 2016, c'était la première fois que j'y allais. J'étais jamais allé avant parce que ça coûtait trop cher, j'avais clairement pas les moyens. Et là je me suis dit, allez, on va quand même faire la grande messe au moins une fois. Et j'ai pris euh, le ticket 4 jours, j'ai pris le ticket VIP, hein, vraiment le truc où je voulais pas être emmerdé avec les files d'attente et tout. J'ai sorti mes sous, j'ai pris les tickets, j'étais allé avec ma copine. Et du coup, honnêtement, on pensait s'ennuyer, on avait pris les 4 jours parce que, voilà, il n'y avait pas plus. Et, euh, et donc, du coup, euh, comment dire, on, on s'est éclaté. On s'est éclaté, par contre... On a vraiment fait toutes les activités qu'il y avait à faire, enfin qui nous intéressaient, parce qu'il y a énormément d'activités. À chaque fois, il y a toujours 20-30 activités en permanence. Et donc, on s'est amusé, on a fait les cosplays, on, les, les, on, a, on, a, on a fait la chasse aux photos, aux mascottes sur place, on a, on a, on a baladé dans les allées, on a vu des vidéos, a, moi j'ai vu un film en avant-première. Euh, voilà de, de X Japan, mais aussi de Momotaro, le Divin de la mer. Il euh, y avait plein de choses à faire, il y avait des interviews, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors cette année, c'est un peu particulier parce que c'est euh, euh, post-Covid, euh, post donc du coup, il y avait moins de choses. Mais euh, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc ça vaut le coup. Par contre, quand on l'a fait une fois, nous, on n'a pas ressenti le besoin d'y retourner. On s'est dit, on y retourne peut-être dans 5 ans, 10 ans, on verra. Euh, parce que voilà, ça nous... On avait fait le tour. Et retourner spécialement à la Japan Expo pour seulement payer 20 balles d'entrée, acheter euh, et repartir, nous, enfin, moi, ça m'intéresse pas. Il n'y a rien de plus. Ça reste des livres qu'on peut acheter euh, plus tard. Même si, effectivement, il y a des dédicaces, euh, etc. Euh, parce qu'il faut savoir qu'en en dédicaces, en auteur japonais, je parle, il n'y en avait que deux. Il y avait Koteri, donc il y a fait Veille. Et il euh, y avait Nagate, je crois, qui donc, a fait Gift Plus et euh, Butterfly Beast chez, euh, euh, chez Mangetsu, d'accord, et Noeve chez euh, Noeve Graphics. Et euh, donc, du coup, il n'y avait que ces deux. Euh, L'autre Nagate, ne, ne, même si euh, avoir une dédicace est toujours cool, ne m'intéressait pas, entre guillemets. Je n'avais pas envie d'acheter un manga euh, juste pour avoir une dédicace. Pas, moi, ce n'est pas mon délire. Moi, bon, j'aime bien avoir les dédicaces, mais je ne suis pas un chasseur de dédicaces non plus, d'accord euh, donc, du coup, voilà. Par contre, celle de veille m'intéressait, mais celle de Coterie, la voir à la Japan Expo, c'était mort. Euh, c'était mort parce que si on n'avait pas un ticket où tu rentrais à 8h30 et tu courais là-bas, euh, c'était pas possible. C'est pour ça que le lendemain, euh, j'avais quand même essayé d'y aller euh, à 9h. À 9h, c'était déjà fini. Et bien déjà, euh, J'étais à 9h05. Hein. À 9h, c'était déjà plein. Donc, j'ai dis bon, ben. Je ne vais pas faire côté Réal à la Japan Expo, je le ferai dans les, dans les librairies, parce qu'elle est dédicacée aussi dans les librairies. Et ça, on y reviendra, on en parlera pour le samedi. Euh, voilà. Donc, la pompe prisonnière, effectivement, c'est sorti. Je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est le seul que j'ai. Et après, j'ai veille numéro 4, mais je vous le montrerai après. Euh, alors, déjà, il est, il est super beau. Bon, bon après, nos EV font toujours des très belles éditions. Hein. Franchement. Ça donne envie toujours d'avoir le, le, le livre. Euh, vous savez, moi j'aime bien le numérique, il n'y a aucun souci. Mais euh, derrière, bon, mais, euh, quand on a des belles éditions, c'est vrai que le livre est quand même cool. On ne va pas se le cacher. Euh, du coup, alors, la pomme prisonnière, je ne l'ai pas lue. Mais l'histoire, elle est simple. Hein. C'est une nana qui se retrouve dans une grotte. D'accord Hop là. Attendez. Il faut que je fasse attention parce que ce livre il est il est, il est très euh, non 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 voilà donc là, la petite carte c'est une Anna qui se retrouve dans une grotte elle a chaud et donc qu'est ce qu'elle fait elle décide de se mettre toute nue voilà je vous montre pas plus et en fait euh, c'est euh, comment dire du coup une fois qu'elle est toute nue et bien en fait on va la suivre dans sa petite vie euh, routinière du quotidien euh, toute nue. Alors, je vais vous montrer des images où euh, on ne voit pas trop. Hein. Alors, c'est très beau, c'est très bien dessiné. Euh, J'aime beaucoup le dessin de, de Tsurata. Euh, voilà, là-dessus. Par contre, c'est bête, mais je n'ai jamais vraiment accroché à une de ces histoires. Oh, on peut montrer ça, ça se. Voilà. Je n'ai jamais vraiment accroché à une de ces histoires. Et euh, je me suis dit, bon, allez, on va tester la pompe prisonnière. C'est en one-shot. Euh, on y va, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai je, je, hâte de lire parce que vraiment euh, j'ai hâte de lire. Mais je peux comprendre, Zeno, que tu es mitigé euh, de, de, sur ça. Hop. Et en fait, voilà, c'est vraiment une nana qui se balade. Oh oui, du coup, euh, j'ai mal caché, c'est pas grave. C'est plus pour YouTube que je cache, hein, c'est pas pour vous. J'ai pas envie de me faire bannir. Donc voilà, donc c'est super beau. Euh, honnêtement, euh, euh, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Je pense que c'est plus pour les fans de l'auteur. Parce que voilà, il faut les il faut, faut messieurs dans son petit quotidien. Et je pense que c'est que des scénettes, hein. il n'y a rien de plus. De, de ce que j'ai vu en tout cas, hein. il n'y a rien de plus comme vous voyez. Par contre, voilà, c'est très très joli, c'est très détaillé. Hop. Voilà. Donc, à vous de je vous en parlerai. Je vais essayer de le lire pour euh, le mois prochain, comme ça je pourrais vous en parler. Et la petite carte euh, derrière. Donc, c'est des mangas chill, euh, c'est des mangas où il y a du boobs, clairement. Euh, moi ça va être mon manga préféré de l'année en termes de manga plaisir coupable parce que là il euh, y a tout ce qui me plaît euh, c'est gratuit c'est joli et voilà donc je, je l'assume entièrement hein. c'est euh, le manga euh, le manga plaisir coupable euh, j'ai vraiment hâte de le lire euh, mais euh, voilà je sais pas si, si je, je vais l'incenser pour sa qualité scénaristique mais, euh, mais en tout cas je, il, il, il fait plaisir aux yeux faut surtout l'acheter pour ça donc voilà, oui, il y a des chats, Nico. Il y en a plein. Enfin, il y en a un. Donc euh, voilà. Et on le voit souvent. Euh, donc voilà, Emmanon, moi j'avais vu que le, le premier. J'avais été pareil moyen convaincu, mais il fallait que je redonne sa chance à Emmanuel. Euh, alors. alors, bien sûr, euh, je ne vais pas vous dire euh, je suis allé sur le stand, j'ai fait ça, j'ai aidé. Je vais vous parler que des moments où euh, j'ai baladé. Hein? On est d'accord Ça sera beaucoup plus simple. Euh, donc, tu as encore plus envie de l'acheter. Euh, ben écoute, Arnaud, euh, il sera disponible en septembre normalement. Donc, c'est pour ça que je pourrais vous en parler avant. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, quelques autres photos des stands avant de vous montrer euh, qui j'ai pu voir. On avait donc euh, Mangetsu avec Beta Sullivan qui était là. Hop là, je ne vous ai pas montré. Ce euh, serait bien que je mette les bonnes images. Avec Sullivan qui est là. Voilà, il est là, le beau gosse. Et euh, donc voilà, je ne suis pas allé lui parler parce qu'il euh, était en pause. Euh, au bout d'un moment, euh, euh, on ne va pas casser les pieds non plus euh, à tout le monde. Je pense qu'il il était assez dérangé par euh, plein de fans. Euh, il y avait Glenna, donc comme je disais, là ils étaient en plein live stream avec euh, Ken Bogard, avec tout ça. Euh, tous ces gens que je ne suis pas vraiment en réalité. Euh, donc voilà. Comment ça l'escroc Je n'ai pas suivi. Euh, ensuite. Le stand Crunchyroll. Alors, il faut savoir que le stand Crunchyroll était super beau. Euh, ils avaient vraiment refait. Je ne suis pas rentré dedans. J'ai fait une photo de loin. Ils avaient vraiment refait des, des petites baraques à la japonaise et tout. Euh, et c'était le stand, là, cette fois des mangas. Donc, c'était le Crunchyroll Next Level. Euh, voilà, c'était le stand des mangas. Donc, merci à Kira d'être passé. N'hésite pas à regarder la, la, la rediff, effectivement. Euh... Ah oui oui, bah après après voilà, Mangetsu a un, un, un marketing, une communication très agressive. Euh, ils, ils savent vendre sur leurs produits, c'est des très bons marketeux. Euh, après, effectivement, le, 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 certaines œuvres, on va dire, soit on n'est pas le public, soit peuvent décevoir. J'ai pas tout lu. Il euh, y a des trucs sympathiques euh, que j'ai aimé dans leur catalogue, mais au final, moi ça reste assez euh, assez limité. Je suis pas le public cible. Euh, donc voilà, donc du coup, effectivement, il était super beau. Je suis pas rentré dedans parce qu'après, ben voilà, c'était des. Je... Aide le fou en montre un peu plus dans sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, là, c'est l'avant-dernière qu'il a sorti sur la Japan Expo, il montre ça. Euh, tu pu faire les animations, toi Ok, elles étaient cool ces animations, Eddy euh, Donc voilà, il y avait ça et il y avait un autre stand Crunchyroll, mais pour l'anime. Ouais, bon, du coup, il n'y a pas de stand casé, hein, puisque maintenant c'est Crunchyroll. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme truc Alors, je regarde un peu les allées, je vous montre comme ça au pif. Et après, je vous parlerai un petit peu des rencontres que j'ai eues. Et comme je vous dis, je ne vous fais pas dans l'ordre, ça ne sert à rien. Je vous dis les deux jours que j'ai pu avoir de manière générale. Enfin, déjà le premier jour déjà. Voilà. Euh, je vérifie un petit peu. Voilà, densité, t'as as découragé. Euh. Alors il ne faut pas hésiter si des fois vous êtes en convention et vous savez que j'y suis, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, c'est avec plaisir de vous rencontrer, parce que là en plus j'étais vraiment en mouvement de partout, avec le masque, avec tout. C'était un peu difficile de, de, de se croiser, et puis il y a tellement de monde à la Japan Expo que là même si on croise quelqu'un c'est très compliqué. Donc du coup, euh, bah, du coup voilà, n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec plaisir de, de, de discuter. Là on voit qu'il y a le, le stand d'El Cam ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a après comme autre photo Hop là aussi je n'ai pas pris un million. Hein. Ah, il y a le village Chojo ici qu'ils avaient fait. Il y a Doki Doki on voit. Il y a Kiun qui, euh, voilà, qui est là. Euh, Qu'est-ce qu'on a après voilà, Le village Chojo je vous disais. Donc euh, je connais pas la collection mais en tout cas c'est très rose. Euh, alors, effectivement, le, Phoenix était, était présent sur le stand de Dead Court J'ai voulu l'acheter, mais quand j'y suis allé, c'est trop tard, ils n'en avaient plus. Euh, bah, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je, je l'achèterai en, en librairie parce qu'il n'y a rien de plus euh, de, de l'acheter là-bas. Il avait pas C'est pas comme Noévé où des fois on peut avoir des cartes exclusives, on peut avoir des trucs comme ça. Là, il n'y avait rien de plus. Euh, donc voilà, vous l'aurez bientôt. En tout cas, le livre existe. Ça y est, officiellement, il existe. Donc ouais, donc 1h30 de queue pour euh, faire l'escape game, etc. Ouais, je comprends. Donc euh, effectivement, c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de monde en fait à la Japan Expo que même pour acheter des choses, des goodies, vous devez, vous devez faire la queue. En fait, vous faites la queue tout le temps pour acheter, pour faire une activité, pour tout. Il y a trop de monde en fait. Euh, je continue, c'était quoi ça Ah oui, Slice of Aurore. Euh, je trouvais que là, je vais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai là. Hmm. où est-ce qu'elle est cette vidéo Je vais voir si je la retrouve. Ça serait dommage de ne de pas, pas vous la montrer en fait. Hop, alors laissez-moi une seconde, je, je regarde. Euh, J'aimerais vous la montrer parce que était, elle était super cool la, la vidéo. En attendant, je vous remets ça. Alors... Une petite minute, hein, parce qu'il faut que je la retrouve dans tout mon bordel de voilà, c'est celle-là. Je vais la re-exporter ici. Donc en fait, alors Light of Horror, euh, moi j'avais lu les deux premiers. Je, le début était pas foufou, mais euh, j'avais bien aimé le deuxième. J'ai pas lu la suite. Il fallait que je m'y je attaque, même si les retours sont assez euh, mitigés sur la série. Par contre, ils ont fait un, une animation. Regardez bien. Je peux pas zoomer. Je suis désolé. Euh, regardez bien l'animation. Je, je, la, je vous la passe au ralenti. Hop là, je vais arriver à choper le lecteur. Je vous la passe au ralenti. En fait, les images apparaissent au fur et à mesure que l'on se déplace. Au début, il y a rien, il y a juste... Voilà, tu me vois, tu me vois, tu me vois. Et quand on se déplace, je le voir en arrière parce que la caméra l'avait déjà chopé avant. On voit les monstres qui apparaissent en fait. Et, euh, et là, on va mieux le voir ici, voyez. Tu me vois, tu me vois, et là... On avait les montres qui apparaissaient, c'était terrifiant le truc. Ça c'était énorme. J'aurais dû plus prendre le temps de le, de le prendre en photo. Je vais vous, la, vous le montrer à vitesse réelle. Regardez les, les trucs comme ils font flipper quoi. Là c'était une super idée. Hein. Franchement le stand il était trop cool. Euh, ça a attiré l'attention. Ça m'a même donné envie de, de lire la suite que j'avais un peu oublié la série quoi. Ah Dorothée, Dorothée, bienvenue à toi. On va parler de toi tout à l'heure. On va parler de toi. Euh, D'accord, Machel c'est un parcours sportif, ok, avec des anneaux. Et ouais, j'ai vu des photos ouais, Machel, ça avait l'air sympa. Effectivement, CJ vendredi, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait que 60% des tickets vendus, c'était bien, bien mieux euh, de, de ce côté-là. Euh, alors, je retourne à mes trucs. Euh, voilà. Et, euh, alors, j'ai pas de photos du stand, mais par contre, il y avait ça. C'est-à-dire qu'il y avait de mangage j'en ai parlé tout à l'heure. Et Isan Manga dans son catalogue, alors j'ai pas pris le catalogue parce que je voulais pas me ramener du papier pour rien. Après je l'aurais jeté. Mais il y a deux annonces qui sont très intéressantes. La première, bien sûr, et ça, alors ceux qui m'ont suivi, hein, sachez que sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a un événement, je poste pas mal de stories, pas mal de tweets, surtout des stories, parce c'est facile. Euh, après, je poste des stories plus au calme. Euh, je sais pas qui m'a suivi sur mon compte. Dites-moi sur le sur Insta, enfin sur, euh, sur le chat, pardon, qui m'a suivi sur Insta ou sur Twitter ou les deux. J'ai vu qu'il y avait à euh, chaque fois 200 personnes qui euh, qui regardaient à peu près mes stories. est euh, Ce qu'il là dans le chat, qui, enfin qui dans le chat, qui l'ont vu. Donc je, voilà, si vous voulez avoir du temps réel, c'est ce que je fais pour Angoulême, c'est ce que j'ai fait pour euh, la Japan Expo. Euh, c'est plutôt sympa à chaque fois. Euh, vous voyez vraiment le trajet. puis j'aime bien vous, vous donner minute par minute. Donc là, ils ont annoncé enfin Jack. Euh, on savait que ça allait arriver, euh, même si euh, on redoutait, parce que 30 euros x 15, ça fait 450 euros euh, à dépenser. On n'a pas d'infos. Je pense que ça sera une belle édition. Après, euh, euh, voilà. Non, Dorothée, c'est bon, le catalogue, tu peux, je, je, tu peux le garder. Je ne l'ai pas pris exprès, j'ai pris en photo exprès pour pas me le ramener. Et donc, du coup, euh, c'est gentil à toi. Euh, et donc, du coup, voilà. Là, euh, euh, moi, je l'achèterai, bien entendu, hein, parce que c'est Tezuka. Euh, je pense qu'il y, hein, qu y aura les, les, les chapitres dans l'ordre de publication, ce qu'on n'a pas dans les anciennes éditions. Euh, on aura peut-être des chapitrages inédits, des pages couleurs, des choses comme ça. Euh, donc, ça devrait être une bonne surprise. Maintenant, on n'a pas de confirmation de la part de... Euh, de... Il y a aussi un manga de... Tetsuya Shiba, hein, donc, euh, le, le, le dessinateur de Nojo, ou euh, le, le, comment le, le créateur, donc l'auteur de euh, Journal d'une vie tranquille qui est publié chez Vega. Donc voilà, deux mangas à lire absolument. Hein, je le répète. Euh, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. mais bon, je l'achèterai parce que Shiba, ça m'intéresse de le découvrir. Mais voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et Roku, donc euh, ça a l'air euh, sympathique. Le reste, c'était soit des licences euh, que je connaissais déjà, euh, soit euh, des trucs qui ne m'intéressent pas spécialement. Il euh, y avait aussi une autre annonce, effectivement, j'ai les vu passer, c'était les Maginzer Z. Euh, donc voilà, Donc c'est cool, il y en a plein qui, qui me regardaient, c'est cool MW. Euh, je vois donc euh, Nicolas, donc euh, voilà sur Twitter, mais pas Insta. Sache que je poste plus de choses sur Insta. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Insta toutes mes stories. Je les ai regroupées euh, dans, un, dans une petite bulle là. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez toutes les voir donc profitez-en sur les, les expos, sur tout ça. Euh, donc voilà. C'est après tu as envie de prendre les Getter Robots. Je te crois pas, Bushenson. Euh, ok, donc il y a une affichette. Tu dis là pour euh, SciSoul Life, ok. Je ne veux pas tout commenter, hein. du coup, j'essaye de, 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 de suivre. Euh, alors, il faut savoir que j'ai lu la BD Goldorak, je vous en parlerai le mois prochain. Euh, et du coup, ça m'a redonné envie de lire mes Goldorak. Et surtout, ça m'a redonné envie de découvrir vraiment la complète Mazing, Mazinger Z, Great Mazinger, et, euh, mais du coup, Goldorak que je relis. Et euh, je me suis commandé. Hop là. Je ne sors que le premier parce que c'est plus simple, mais je me suis commandé. Les c'est Black Box. Ils avaient encore des lots euh, d'occasion, comme ils appellent, hein, même si c'est des fins de stock, on le sait. Euh, ils avaient ça, je les ai payés 60 euros. Euh, donc voilà, ça sera toujours mieux que les 150 euros de Isan parce que euh, je pense pas que ça mérite, hein, malgré tout. Alors c'est 30 x 15, hein, CJ, hein. Euh, Blackjack. Voilà, ces dessins-là, je pense pas que c'est ok, mais je ne pense pas que ça mérite euh, un format plus grand. Voilà, je pense que ce format-là est très bien. Donc voilà, je vous en parlerai euh, le, le mois prochain plus en détail. Euh, mais en tout cas, ils ont décidé de ressortir ça dans une belle collection à la, la ISAN. Et euh, voilà. Donc euh, oui, Alors, Mato Jura, effectivement, Phoenix, euh, c'est déjà un bel investissement. Et là, les Jack, 450 balles pour ça. Ça fait, euh, ça fait cher. Voilà. Ça fait cher, mais bon, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut, il faut, il faut euh, donc, oui, il y a Senseiya. Je pense que si je peux, je le lirai. Euh, voilà, mais ça, je vous en parlerai plus en détail parce qu'après, on va faire du hors-sujet. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Hein. C'est déjà 21h40. Donc, on va, on va continuer. Euh, donc, voilà. Euh, donc du coup, en tout cas merci pour m'avoir suivi sur euh, les réseaux, ça fait plaisir. J'ai eu plein de petits commentaires, euh, des, petits, euh, des petites flammes, des petits cœurs, euh, des petits likes. Et ça fait plaisir parce que, euh, parce que du coup, euh, comment dire euh, de, Du coup, c'est bien d'avoir ces interactions. Alors, je ne peux pas répondre à l'instant T, mais euh, chaque fois quand j'ai 5 euh, minutes ou le soir... Je, je like ou je, je un petit commentaire. Enfin voilà, j'essaye en tout cas de, de, de toujours montrer que j'ai bien vu le message. Euh, voilà. On va se fâcher Arnaud si tu critiques le dessin de Gonagai. Il y a des choses à dire sur le dessin de Gonagai. Hein. Des fois, euh, c'est un peu vite fait quand même. Hein. On ne va pas se cacher Arnaud, hein. on est d'accord. Hein. Non, moi j'aime bien le dessin dans... Surtout dans Devilman, tout ça, dans certaines séries. D'autres, je suis un peu moins fan. Euh, c'est saint qui s'occupe... De Mazinger Z. Normalement, oui. Et même euh, Great Mazinger, c'est aussi. En fait, c'est plutôt dans Goldorak. Il y a un one-shot fait par Gonagai. Et il y a quatre volumes qui sont scénarisés par Gonagai, mais dessinés par euh, Ota, je crois, un hein, truc comme ça s'appelle. Et, euh, et là, je suis en train de les lire, justement. Et, euh, et lui, on sent que c'est un peu plus l'inspiration de la série télé. Mais voilà, clairement, le, le one-shot est lu. Euh, Gator Robot, j'ai pas lu. En fait, moi, je. Je, je, L'édition était beaucoup trop grande, elle ne me plaisait pas. Donc, euh, à voir, à voir. Peut-être que je serai créé au final. Euh, y a-t-il une édition de Violence Jack Non, non, ça c'est inédit en français, il n'y a personne. Donc, Phoenix. Phoenix, il y aura six volumes de Phoenix. Donc, voilà. Bon, par contre, c'est des gros volumes, hein. ça sera des volumes de 400 pages. Euh, ensuite, ben, du coup, ce jour-là, j'ai pu faire des rencontres. Donc, les premières rencontres que j'ai eues. Et euh, donc, celle-là, ça a été fait... Euh, un peu par hasard, la première, ben, j'ai rencontré en premier Monsieur Mangas, donc euh, youtubeur euh, de son nom, qui a une chaîne YouTube euh, qui chronique beaucoup, qui fait du, du TikTok, il est très actif, hein, il fait beaucoup de contenu par rapport à moi, euh, qui, euh, qui fait finalement très peu de contenu. Euh, ben, du coup, euh, voilà, il était là, c'était cool, je l'ai croisé euh, euh, de, dans, les, dans les allées très tôt le matin. Et euh, ben, juste après, euh, avec lui, j'ai croisé, et ben du coup, Aide le fou. Qui était là, on le voit avec ses petites cartes d'OEV, tout fier. Euh, Ed le fou, moi j'ai pas fait de, j'ai pas fait de, de reportage. Eux ils ont fait ça, hein. donc vous pouvez aller voir leur chaîne. Euh, je crois que Monsieur Manga s'il prépare une vidéo, si elle n'est pas sortie. Euh, donc du coup, euh, voilà. Donc du coup c'était cool à discuter, à échanger, euh, etc. On a pris une petite photo en plus. Bon, Ed avait un, un concours avec authentique manga. Euh, euh, de savoir qui prendrait le plus de photos de youtubeurs, donc voilà, il s'est fait plaisir de, de ce côté-là. Euh, donc voilà, donc euh, on a pu discuter, c'était très cool. Et puis Ed, j'avais fait une vidéo avec lui, donc je l'avais vu à Marseille chez lui, et là de le revoir bon, à Paris, euh, voilà, on a discuté une bonne demi-heure ensemble, ça faisait plaisir. Euh, mais j'ai pas rencontré que Ed, j'ai aussi rencontré Masochiste, euh, Masochiste qui. Euh, euh, alors, je, je, sais, je sais pas si elle est là ce soir, euh, mais je vais pas mettre sa photo. Je crois que je l'avais mis sur les si, si, si. Je crois qu'elle met, elle met son image, donc c'est bon. On peut le... Je voulais pas mettre les photos. Masochiste, euh, voilà. Donc, il y a un compte Instagram qui tweet pas mal sur des, des photos, des vidéos, enfin, des, des pas mal de stories, etc. sur les mangas. Très engagé dans ses, dans ses propos, justement. Aussi, donc euh, du coup. Euh, euh, voilà c'était cool on a pu discuter un, un petit moment ensemble et puis je l'avais jamais vu ça fait longtemps qu'on discute sur, euh, sur internet mais au final je l'avais jamais vu en vrai seulement euh, en photo euh, donc voilà donc ça c'était ça faisait plaisir et après euh, j'ai vu aussi euh, Dorothée qui est là sur le chat euh, Dorothée qui m'avait rejoint justement sur le stand que j'ai dé et euh, Dorothée qui euh, ah, euh, avec qui on a parlé pff, au moins une heure, hein, Dorothée. Je ne sais pas si ça rappelle. En tout cas, le, le temps est passé très vite. Parce que. Ah, d'accord, elle était. Elle était euh... Donc, très bon moment, Dorothée, euh, qui me suit depuis longtemps, qui a essayé de me faire à peu près 15 stops. Euh... Alors, attendez, je vais juste changer, je vais enlever l'image parce qu'on va. Voilà, pas, pas mélanger avec zogiste. À ah, 1h30, ah ouais, ouais, non, mais c'est passé vite quoi. Voilà, à côté du stand, ouais, là où j'ai des, ils étaient cool, hein, ils étaient très cool. Euh, voilà, on pouvait vraiment euh, être modulable. Donc voilà, elle a essayé de me faire faire plein de tops. Elle était là, ah, et ça, tu penses quoi Et ce top, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. Enfin, j'ai fait stop Dorothée, On fait plus de top, c'est fini. C'est fini. Elle a essayé après de m'avoir sur Instagram, j'ai fait, c'est fini. On fait plus de top. <laughs> donc voilà, en tout cas, on a passé un très très bon moment. On n'a pas eu l'occasion de se recroiser euh, après. Euh, mais euh, et voilà, et après dans le week-end c'est plus compliqué euh, de, 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 de se recroiser donc mais euh, ça sera que partie remise euh, à notre événement euh, de ce côté là donc ça faisait plaisir ça m'a fait plaisir de te rencontrer Dorothée et voilà elle m'a écrit pour me dire justement euh, qu'elle était là et qu'on euh, pouvait se voir et donc euh, voilà je dis, on s'est donné un point de rendez-vous et euh, derrière ben voilà on en a euh, profité euh, sinon euh, Ensuite, je regarde un petit peu. Alors, il faut savoir, voilà. Toc, toc. J'avais pris quelques notes parce que je voulais pas oublier des, des éléments. Il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, alors, il faut savoir quand même que sur le Sandisan, euh, San, San Manga, du coup, j'y suis retourné. Et à un moment, j'ai fait, bon, j'ai quand même deux, trois questions à vous poser, les gars, parce que euh, voilà. J'ai dit déjà, premièrement, c'est quand que je vais recevoir mon. Mon pack super fan, parce que moi j'ai toujours pas Wonder 3, j'ai toujours pas Captain Ken, j'ai toujours pas Big X. Hein. Donc au bout d'un moment, je veux mes mangas, ça serait très gentil. Et euh, donc elle m'a dit oui, machin, on a eu du retard, tout ça. J'ai dit ok, c'est cool, mais ça serait bien de communiquer aux gens, parce que les réseaux sociaux, tout le monde n'y est pas. Donc du coup, j'ai un petit peu euh, pleuré, et euh, gentiment bien entendu. Euh, mais euh, voilà, la noter, euh, le truc, de, de communiquer aux gens le retard. Et euh, je lui ai dit euh, et c'est pareil j'ai dit euh, c'est cool euh, mais là les éditions sont très chères j'ai dit je pense que assez de monde vous remonter, je leur ai dit j'ai dit on va pas revenir là-dessus sur le prix euh, votre politique de prix j'ai dit par contre je comprends pas que euh, quand on prend des packs super fans premièrement on n'est pas une livraison intermédiaire parce que normalement euh, pourquoi on attend euh, les derniers mais surtout j'ai dit vous avez fait trois précommandes décalées 3 euh, précommandes avec deux euros de frais à chaque fois de, de comment s'appelle de, de préparation alors que les mangas ils sont quand même déjà pas donnés euh, ils, ils peuvent largement les inclure dedans et en plus bah, du coup ils vont tout m'envoyer un colis. Donc j'ai dit au oh, moment et j'ai dit comme ça, j'ai dit donc là c'est quand même vous êtes un, un petit peu radin quoi. Hein, j'ai Vous êtes sacrément radin sur le truc parce que là vous pourriez au moins rembourser les frais euh, de ces 2 euros ou au moins compter qu'une fois les 2 euros quoi. Parce que là, vous êtes un peu radasse jusqu'au bout. Donc voilà, donc euh, j'ai remonté ça. Je voulais remonter un truc après et j'ai oublié. Euh, oui, je voulais leur dire euh, d'arrêter de dire que c'était une petite structure, euh, qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Euh, bah, c'est faux. Alors, effectivement, ils ne sont pas nombreux, comme tout petit éditeur, à gérer tout ça. Mais derrière, c'est la Japan Expo qui paye. Leur stand, c'est gratuit. Euh, la communication c'est gratuit, les coûts c'est gratuit, enfin voilà ils ont, ils ont une méga structure derrière qui soutiennent euh, Issan et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de vendre des bouquins à 30 balles et d'en vendre 500 donc voilà ça c'est un peu un double discours qui euh, me fatigue, j'ai pas pu le dire le dernier parce que ça m'est venu après j'ai pas eu le temps de, de, de le truc et j'allais pas revenir euh, juste pour, pour, euh, pour euh, leur chier à la gueule pour ça euh, ça, ça valait pas la peine mais euh, je l'ai pensé très fort, voilà euh, donc, ouais, c'est exactement c'est C'est taille du rat euh, 2 euros. Je suis un bouquin quand on lâche des trucs à je, rien que Captain Ken, machin, tout ça. J'ai dû lâcher plus euh, de 220 balles, en tout comme ça pour m'offrir quand même le frais de port, quoi. Enfin, bref, donc voilà. Donc, ça, c'était euh, la première journée euh, de la Japan Expo qui était une journée déjà très euh, remplie, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, le matin, j'ai même pas essayé d'aller le faire. Le truc de, de, de dédicace, j'aurais pu effectivement faire la dédicace de. Euh, comment elle s'appelle, de, de, de Nagaté. Euh, mais au, je préférais laisser ça aux vrais fans de Nagaté qui euh, auraient réellement apprécié leur dédicace, contrairement euh, à moi, où en fait au final j'ai pas d'affect avec l'auteur. Peut-être qu'un jour je découvrirai ses, ses œuvres et je vais faire mince, j'aurais dû euh, j'aurais dû les lire, euh, je ne l'ai pas fait, euh, je regrette. C'est pas grave, euh, au final euh, euh, je ne suis pas un chasseur, un chasseur de dédicaces, je suis content. Quand, euh, il y a une dédicace. Voilà. Euh, S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. Mon, mon livre, il est toujours aussi bien. Hein. C'est juste le petit bonus et le petit souvenir euh, du truc. Et puis voilà, à la Japan Expo, là-bas, je n'étais même pas censé y aller. Donc c'est vraiment, euh, vraiment du bonus. Euh, les jours suivants, euh, bon, vous vous doutez bien que... Alors le soir, moi j'ai mangé justement avec le avec le stand, enfin la personne du stand. On est rentré à une heure du matin. Euh, lever à, à, à 6h30 pour repartir là-bas euh, voilà euh, donc oui Nicolas le, le prix, après voilà c'est toujours pareil le prix, euh, quand on est collectionneur le prix c'est pas important euh, si, si le prix est, est un problème c'est que l'œuvre ne t'intéresse pas assez voilà et c'est comme ça pour tout euh, alors donc le matin parce que le samedi c'était blindé donc moi j'ai voulu y aller pour 8h30 euh, ou 9h je sais plus euh, mais je savais pas que ça allait être blindé comme ça. Donc euh, le matin, pour ceux qui euh, connaissent, une image d'horreur. Voici l'enfer. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le RRB. Le, le comment ça s'appelle C'est le RRB euh, à la Japan Expo. Donc ce RRB qui était blindé, c'est-à-dire que j'ai passé une heure littéralement collé dans les personnes à peu près comme ça. Euh, les gens qui se tiennent où euh, j'avais tout le plaisir olfactif qui pouvait venir avec moi, euh, les gens sont très généreux dans ces cas-là. Hein, voilà, je, je vous le dis. Euh, ils, je sais pas, ils, ils aiment partager leur odeur, euh, donc voilà, c'était euh, c'était particulier. Moi j'avais le masque, hein. j'avais vraiment le masque tout le temps. Je me désinfectais les mains régulièrement euh, avant que dès que je touchais des trucs, des machins, je me suis jamais autant désinfecté les mains. Je voulais éviter de ramener le Covid. Aussi bien dans deux jours, je vais vous dire, et hey, les gars, je l'ai, <laughs> mais euh, mais voilà, mais euh, là pour l'instant ça va. Je ne l'ai pas attrapé pour le moment, euh, enfin cette année. Donc voilà, donc euh, j'avais essayé de prendre plusieurs photos, ouais, pas plus, mais c'était vraiment 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 rempli. Il faut vraiment être dedans pour voir à quel point c'est rempli. Euh, le lendemain, j'ai refait un petit euh, un petit tour. Euh, certains n'étaient ouais, pas très lavés. Ouais. Ils, ils ont oublié de prendre une douche avant de venir. Ça s'appelle un jour normal malheureusement. Alors du coup, je ne connais pas les jours normaux, mais je, je plains je, je plains les usagers. Euh, voilà, donc euh, le stand euh, One Piece euh, pour acheter, puisque le lendemain j'ai souvent euh, j'ai souvent recroisé aussi Zeno. Euh, voilà, je l'ai vu plein de fois ce jour-là. Euh, J'avais essayé d'aller à la dédicace quand même veille, euh, je voulais au moins réserver la place à des amis ou des trucs comme ça, et en fait, à 9 heures c'était mort. Euh, donc voilà, donc. Euh euh, donc, c'est fait rire la story sur le rer. <laughs> Exactement, vive la province, c'est beaucoup plus calme. Euh, donc, du coup, euh, voilà, j'ai continué ma balade. Donc, j'ai, euh, c'est là que j'ai rencontré Zeno. Du coup, c'est ce jour-là. Euh, donc, pareil, je mets pas de photo, hein, puisqu'il ne met pas de photos de lui euh, dessus. On s'est croisé plein de fois. On a passé un bon moment. On s'est croisé déjà à Angoulême, Zeno. Donc, euh, on se connaissait. On avait déjà discuté euh, plein de fois, puis on discute régulièrement sur. Euh, sur Insta euh, et donc du coup euh, voilà ben, c'était euh, c'était très cool parce qu'on voilà, s'est on s'est croisé recroisé puisque de temps en temps moi j'allais aider sur le stand il hein. euh, faut pas oublier que j'étais je, je, une aide aussi donc euh, voilà des fois je partais une demi-heure une heure puis après je revenais travailler deux heures puis je repartais une demi-heure je revenais travailler deux heures enfin, ça 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 donc je croisais un peu un peu tout le monde euh, ben, alors moi j'ai rien acheté, hein, mes goodies. Hein. Je sais que Zeno lui s'est fait plaisir, hein, puisque je, je l'avais accompagné. Mais, euh, mais derrière, euh, j'ai rien acheté. Euh, et, et là pareil, on a dû faire la queue, parce que derrière vous ne voyez pas, mais en fait derrière il y a la queue. Hein. Donc ça c'est assez rigolo. Il faut savoir aussi qu'il y avait euh, un magnifique Gundam. Euh, là, il était immense, hein, il faisait 1m50 au moins, un truc comme ça. Il était trop beau. Euh, ce, ce Gundam ça dans le salon ça c'est parfait je suis pas un fan de robots mais je le trouve trop beau et euh, du coup vu que j'étais avec Zeno euh, alors il y a des images hein. voilà quelques quelques faits, euh, fait des gunpla hein, pour ceux qui font des gunpla vous savez je me suis mis au gunpla j'ai toujours pas fini l'autre hein. trop, trop de choses à faire les gars euh, et donc du coup, il euh, y a les gunpla, il y en a des super beaux à faire. Et euh, j'ai mis, euh, euh, du coup, Zeno à acheter son premier gunpla. Et j'ai hâte qu'il le fasse pour qu'il puisse me dire son retour. Voilà. Y a, et là, c'est une photo où il vous montre euh, les différents, euh, les différents stades, les SD, les HG. Les HG, c'est parfait pour commencer. Si vous voulez commencer, c'est ça. Euh, vous avez les RG qui sont le compromis, moi je pense que c'est même bien de commencer par les RG parce que ça c'est un peu limitant euh, sachant qu'il y a plusieurs catégories, il faut faire attention, euh, il y a plusieurs catégories et, euh, et là c'est les MG et les Perfect Grade donc les PG euh, moi celui que j'ai c'est un RG actuellement mais c'est un RG, vous voyez il y a plusieurs euh, voilà qui est plus comme ça et après je m'attaquerai sûrement à un MG franchement les Gunpla j'en ai déjà parlé j'ai jamais fait de live où je fais des gunplay et tout. Un jour peut-être que je ferai ça quand j'aurai déménagé. Euh, je ferai ça. Euh, peut-être des gunplay avec vous, un petit live gunpla comme ça, improvisé. Ça peut être cool aussi, hein. Ça peut être très cool. Euh... Ouais, attends, commandé la ligne, super. J'ai conseillé une ligne de compétition. Euh, il, il va s'éclater, Zeno, Il va s'éclater. Euh, donc voilà, donc il y avait ça. Et surtout, euh, pour ceux qui ne savent pas, je vais les prendre en photo comme ça. Vous pourrez voir le live, alors c'est un peu petit, je sais, mais euh, vous avez tous les tous les stades ici là, tous les, les différents. Alors je vais vous zoomer dessus. Je vais zoomer dessus, je vais vous zoomer dessus. Euh, attendez, hop là. Nya. Parce que... Un peu. Voilà. Je vais attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer toutes mes images. Toc. Parce qu'à force, il y en a beaucoup beaucoup d'ouvertes. Ça prend beaucoup de mémoire. Euh, toc, voilà, ça devrait mieux marcher maintenant. Parfait. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez la voir en gros comme ça. Voilà, vous pourrez regarder le live plus tard. Et ça vous donne un petit peu les, les différences. Euh, les SD. Donc voilà, on voit la taille. 12 cm, euh, nombre de pièces, 70. 130 pour les HG. Et après les dernières. Hop là. Hop, je rezoome un peu. Les RG, voilà. 240 pièces. 440 pièces. On a la taille en fait. plein RG c'est 240 pièces pour 12 cm. Moi là, je l'ai payé 45 euros la mienne. Là, le prix c'est 25 euros. Je divise par 100. Hein. Je fais des divisions rapides. Euh, moi, je l'avais payé 45 euros. Donc vous voyez, on était. On est un peu entre les deux. Quoi. On est sur du RG en taille. Mais on avait beaucoup plus de pièces. Euh, et là 16 cm6 et là les perfect white 30 cm par contre c'est des prix à 250 euros là on est on, on en prix. Hein. voilà mais euh, c'est très cool je sais pas si y en a qui le font et euh, mais euh, voilà en tout cas c'est très, euh, très c est, c est, on a l'impression d'être un ingénieur quand on fait des gunpads je vous dis vous coupez les trucs vous, vous limez, vous mettez clac 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 vous montez le truc c'est l'ingénierie c'est incroyable incroyable euh, donc, ouais, ben en fait, effectivement, j'ai vu euh, le magasin sur Paris. J'ai voulu y aller et j'ai pas vraiment eu le temps/slash la flemme. Euh, finalement, je dis Bah, tu quoi, c'est pas grave, je laisse tomber, j'irai plus tard. Euh, donc, voilà, bien sûr, euh, là il y avait une dédicace que j'avais envie d'avoir. C'était pas prévu, mais je l'ai faite. C'était ma dédicace de Tim Phoenix. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai bien sûr, ça sera dans les achats du mois prochain, Acheter le grand format, le format couleur. Hop. Celui-ci là. Bam. Voilà. Il est très beau les couleurs. Moi j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les couleurs. Et en fait, je reviens. Il n'y a pas de souci, les dit. Merci d'être passé. Gros, gros bisous. Passe de bonnes vacances. Alors, t'as Eric ça monté, toi, Mega Size. Ok. Alors là, t'as pris le, le bon modèle, quoi. Euh, il faut savoir qu'en Angoulême, j'avais fait dédicacer le premier. Qui était... Oups là, pardon, <laughs> c'est pas le bon, le bon truc. Qui était celui-ci. Voilà. Qui était un méchant. Euh, dedans. Donc voilà. Et en fait, du coup, j'en ai profité pour faire... Hop, ça on le met ici. Dédicacé le deuxième. Et le deuxième, je lui ai demandé. Le phénix, le fameux. Merci CG d'être passé. Voilà, je l'aime beaucoup, ma dédicace. Voilà, pour Julien, The Power of Phoenix. Et en plus, il est doré, il a mis du silo doré dessus et tout. On, on le voit bien dans l'œil là. Voilà. Franchement, je le trouve très cool. Je suis très content. Euh, après Tim Phoenix j'aime bien, euh, j'avais déjà expliqué. Hein. Euh, C'est pas la lecture euh, de, de, de la mort, mais je trouve que voilà, il, il connaît bien les personnages, il, euh, il propose en tout cas quelque chose de sympathique à lire. Euh, il faut le voir voilà, comme une proposition, un divertissement. Euh, et donc du coup je trouve ça euh, assez cool. Donc voilà. Euh, donc Tim Phoenix, euh, j'ai eu ma dédicace. Hop Et euh, et donc pour les photos, voilà. Donc c'est Kenny Ruiz, il est là. Merci pour la dédicace. Vrai, je suis content de l'avoir celle-là. Euh, Kenny Ruiz. Et donc, du coup, là on le voit en train de faire ma dédicace. Oula. D'accord, il, il, il me. Ah ouais, c'est le truc du Mac, qui me trouve des trucs en fait. Non, rien du tout. <laughs> il ne connaît pas. Ça marche bien, dis donc. Euh, voilà donc là photo avec lui, il est très sympa franchement tu, il parle en français en plus euh, bon je lui ai parlé en anglais mais il parle en français euh, espagnol et chez euh, Xeno il a parlé en, en espagnol et euh, du coup euh, voilà j'étais très content franchement d'avoir ma, euh, ma dédicace, euh, j'ai demandé le phénix parce qu'en fait euh, le phénix il n'a il pas, pas le droit de le dessiner euh, Makoto Tezuka ne veut pas euh, pour le Phoenix, et apparemment il ne changera pas d'avis. Euh, donc du coup je lui ai demandé de me dessiner un Phoenix. comme ça moi j'ai un personnage qui n'existera pas euh, dans le manga. Et euh, j'ai déjà vu avec lui, je lui ai dit que je comptais lui faire dédicacer les six volumes euh, parce que normalement c'est un cinq ou six volumes, en tout cas tous les volumes. Donc la prochaine fois en golem il y aura sûrement le numéro 3, je lui, je lui ai demandé. Il m'a dit que normalement oui ça devrait y être. Euh, donc du coup je lui ferai dédicacer et si euh, c'est que Angoulême, golem, je lui ferai dédicacer deux fois mes livres, c'est pas grave. Et à chaque fois, je vais demander à un personnage, soit qu'il n'a pas vraiment le droit de dessiner, soit d'une façon qu'il ne peut pas dessiner, histoire, de, histoire de, de changer un petit peu. Voilà, ça, c'est la dédicace vue de près. Euh, voilà, bon, ça, je sais encore, c'est ce truc en milieu. Je ne peux pas le désactiver. Euh, donc voilà, donc, euh, je suis très, très content de, de, de l'avoir. Euh, et oui, et moi, je l'ai fait dédicacer le vendredi, du coup, euh, Dorothée. Donc, ouais, Zeno hein, très très sympa. Donc, voilà. Euh, donc, du coup, je continue un petit peu les photos. Euh, donc, à un moment, j'ai pu balader un peu plus loin parce que, honnêtement, euh, le jeudi, j'étais vraiment resté que dans l'allée des éditeurs. Vous l'avez vu, je ne suis pas allé loin au final euh, parce que je n'avais pas vraiment eu le temps. Puis, j'ai un peu discuté avec euh, des personnes. Donc, euh, voilà, entre l'aide du stand et ça, je ne pouvais pas rester trop. Mais voilà, il y avait un truc de la taille du titan qui était plutôt cool. Bon, il est cool, hein, le Phoenix, hein? j'aime beaucoup ce qu'il euh, qu a fait. Et puis, en fait, pour Team Phoenix, j'ai décidé de... Euh, comme les grands formats, à chaque fois, il faut les commander, euh, on n'est pas sûr de les recevoir pour l'événement, c'est un bordel et tout, même s'ils en vendent sur l'événement au final, euh, je me suis dit, je vais faire dédicacer les petits qui sont en noir et blanc, qui ont au final assez peu de valeur à mes yeux parce que je préfère la version couleur. Euh, comme ça, au moins, je leur donne un peu plus de valeur et puis euh, ça me fait une série complète dédicacée. Ce qui n'est pas, euh, pas dégueu parce que dans les grands formats, il y a déjà un Shikishi avec sa signature. Ensuite, euh, du coup, je continue à balader. Je vous montre un peu les photos que j'ai prises. Hein. Donc, des, euh, il est trop beau celui-là. Regardez. Alors là, on était sur un stand. Des mecs, qui font de la maquette. Ils font des, ils, ils font les, des trucs comme ça. Là, c'est des, des maîtres de de, 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 de des, comment dire, des peintures, de tout customiser de, et compagnie. Quand on voit ça, c'est incroyable. Incroyable le rendu en vrai que ça peut donner. Je, je vous montre en, en gros là. Comme ça, vous pouvez voir vraiment euh, derrière. si <laughs> tac tu, tu leur portes malheur au, au, euh, aux artistes. Oui, il ne faut plus faire dédicacer. Je pense que c'est la bonne idée. Euh, donc voilà, ensuite euh, je continue. Donc il y en avait toute une, euh, toute une série là, euh, trop belle. Vraiment. Euh, je ne suis pas un fan des robots, mais je trouve que les robots là, comme ça, avec, euh, avec le, leur arme déployée ou leurs ailes et tout, je trouve que ça, ça, ça de la classe. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore Hop. Voilà, d'autres exemples. Celui-là aussi, il est cool là. Hop. Voilà. Euh, je vais juste vérifier que euh, mon écran savait. Est-ce que dites-moi si vous voyez une différence de couleur sur l'écran en vous. Hop, maintenant. Est-ce que là vous voyez une différence de couleur quand je parle Est-ce que c'est moins orangé ou pas C'est une question que je vous pose. C'est juste pour savoir. Parce que de, comme moi j'ai un mode nuit, je voulais juste m'assurer que ce mode nuit n'est ne, pas dans l'enregistrement. So, je crois pas, mais on, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux vérifier. Euh, sinon, euh, d'autres photos qui étaient très cool aussi, c'était ce, ce Goldorak, Windizer. Non, j'ai pas pu garder la tenue. J'ai dû la laisser sur le stand parce que euh, samedi, et dimanche, ils s'en servaient. Mais j'ai demandé à voir si je pouvais la récupérer. C'était une tenue euh, façon Matsuri. Elle était très classe. J'aimais beaucoup. Puis là, avec ma, ma petite houppette et tout, ça faisait le truc. Quoi. Euh, donc voilà, d'autres photos. Hein. Là, on a Great Mazinger. Et lui, je sais pas qui c'est. Euh... Ah, c'est Gator Robot, lui. Voilà, et je crois qu'on les a tous ici. Ouais, c'est ça, voilà. Gator Robot, Mazinger, Grandizer. Donc, Goldorak. Donc, ouais, voilà. c'est très, très cool, euh, ces trucs. Il euh, y avait même une petite expo. Une expo qu'ils Il joue. Euh, y avait des images assez jolies. Je n'ai pas tout pris en photo. Mais voilà. Euh, donc voilà, il y avait quelques têtes de de, de, de trucs. Donc voilà, quelques photos. Euh, c'était plutôt joli. Euh, après... Les, les, les Une avec Eva. Ah, attends, on va voir s'il retrouve là. Eh non, pas du tout. Euh, et en fait, euh, c'était des reproductions, bien entendu. Mais... Euh, mais bon, c'est un peu sorti du contexte, il n'y a aucune explication, il n'y a rien, c'est expo un peu, un peu rapide. Malgré tout, j'ai rencontré euh, d'autres personnes. Donc comme je disais, j'avais rencontré Zeno plusieurs fois, puis il est venu me rejoindre au stand parce que je lui avais dit où j'étais. Euh, donc du coup, euh, voilà, à chaque fois je le voyais revenir avec des sacs différents. Moi j'ai adoré. <laughs> il m'a régalé Zeno jusqu'à la fin. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai rencontré Zeno plusieurs fois dans la journée, mais j'ai aussi rencontré... Euh, Nico, de alors je vais pas écorcher son nom, il est sur Instagram. Laissez-moi euh, le chercher. Voilà, c'est euh, ni bon ni bien. Attends, non, ni ni bon, bien au contraire. Voilà. Donc si vous tapez ni ni bon tout, tout collé, vous allez le trouver. Euh, il fait des lives sur Instagram justement. Et, euh, et donc du coup. Euh, ben du coup, voilà, je, il, a il a traversé le hall 5 des enfers pour me rejoindre parce que c'était compliqué. Vous voyez, il commençait à faire un peu chaud. Hein, là, où vous le voyez à ma tête, Guy, j'en pouvais plus, <laughs> avec les, les cheveux qui partent dans tous les sens. Euh, donc, du coup, euh, du coup voilà, il, il, faisait, il faisait chaud. C'était 15h36, c'était blindé à mort, euh, c'était assez incroyable. Et euh, donc petite discussion, on a discuté pendant euh, 20 minutes, euh, un quart d'heure, 20 minutes. C'était très cool de le voir en vrai parce qu'on s'échangeait souvent sur les réseaux. Euh, donc voilà, ouais, il fait beaucoup de contenu, il a beaucoup, il fait beaucoup de lectures. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Mais euh, voilà, ça c'était cool. Ah, tu l'as croisé aussi. Hein. Ouais, non, il est, franchement, il est très sympa Nico. Euh, donc voilà, ouais, il est déjà, déjà sympa sur le net, mais ça confirme qu'il est euh, très très sympa. Euh, par contre, euh, d'un coup, ben, en baladant, je suis tombé sur le stand DoMakebook. Euh, donc le stand de Makebook et sur ce stand ben, il y avait Florent Gorge qui clonait, qui là, qui, qui connaît Florent Gorge. Alors là on n'est plus dans les jeux vidéo euh, même s'il il a au Makebook c'est au Make manga mais Florent Gorge c'est quelqu'un que je connais depuis enfin je connais, je connais pas personnellement hein, je connais juste la personnalité. Euh, le personnage euh, depuis longtemps, puisque je suis aussi euh, fan de, de jeux vidéo, mais d'histoire de jeux vidéo. Donc voilà, qui ne connaît pas, bien sûr. Hein. Euh, et il fait des super livres sur l'histoire de Nintendo. Où, par exemple, on a le volume 1 où c'est euh, tous les, jeux, les cartes à jouer, euh, tous les jouets, c'est incroyable. Ces livres-là, ils sont incroyables. Euh, voilà. Donc euh, il a ça. Et. Hop là, il a imprimé beaucoup de... Il a, il a imprimé beaucoup de, de, de trucs sur les jeux vidéo. Euh, donc euh, j'en ai profité pour discuter avec lui, euh, la grande époque no life, euh, voilà, de le remercier pour plein de choses et tout ça. Très sympa, très accessible, euh, très cool, parce qu'il fait aussi du Cooler Torquest. Euh, moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien les collections. Voir les gens comme ils sont fous et qui font des trucs de tarés, moi j'adore ça. Euh, plus ces gens sont tarés, plus j'adore. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai pu discuter avec lui et j'ai pris quelques mangas sur son stand. J'ai pris une photo. Alors, il a gardé le masque. Hein, pour le... Je, je, je comprends, moi, je l'ai enlevé à ce moment-là, juste pour la photo. Mais euh, du coup, voilà, il y, y a ça. Alors, euh, ah, il a fait une monographie extra sur Amano. Je ne savais pas ça. Et je ne savais pas que c'était aussi le traducteur de Daydark. Et je suis dégoûté parce que je, je, je voulais lui en parler parce que la traduction elle, est trop cool. Donc, euh, tant pis. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté plusieurs trucs. Déjà, j'ai acheté un manga que je voulais depuis longtemps. Euh, donc, les, comme ça, je vous montre au fur et à mesure mes achats. Hein, sinon, on ne s'en sortira pas. Euh, ici, j'ai acheté les Bip Bip Boy. Oh, Hop là, petite table basse, je la remets comme il faut. Bip Boy, donc euh, très fort, normalement, sur les hobbies. Là, ils sont très gentils, les hobbies, mais. Au MacBook, niveau hobby, le hobby, c'est le petit, le petit papier là que vous avez autour du livre pour accrocher l'attention de, de l'auteur, enfin, de, de, des lecteurs. Ils sont très forts. Ils y vont dans le kitsch à fond. Mais c'est assumé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, BB Boy, qui, en gros, qui se passe, en gros, sur, sur les jeux vidéo, notamment à l'époque de la NES, un truc à la fois rétro gaming, à la fois souvenir d'époque Etc. C'est en trois volumes. Ça fait longtemps que je voulais le lire. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, euh, on va y aller. Euh, on, on, on y va et c'est bon, quoi. D'accord euh, je, je les ai achetés comme ça, c'est l'occasion. En plus, ils sont pas très chers, les, les volumes. Ils sont, ils sont à 7 euros, je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Si ça me plaît, euh, peut-être que je testerai euh, Icecore Girl. Je crois que c'est ça. Icecore Girl. Euh, apparemment, il est encore mieux celui-ci donc déjà je vais tenter ça donc j'étais content voilà j'ai acheté ça ça a l'air assez euh, assez rigolo assez touchant et avec une grosse vibe nostalgique des années 80 euh, euh, japonaise donc ça j'ai acheté ça c'est fait voilà alors euh, toi tu as le je vois qu'il y a... oula 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 hop faut je vais mettre en retour un, un bon jeu comme il faut il est en train de tomber c'est bon tu tombes pas Allez, c'est bon. Voilà, c'est un peu euh, équipement système D. Hein. Euh, du coup, euh, tu disais, moi, je disais tout ça. Hein, L'histoire Nintendo. Hein. Voilà, il y a le, le 1. Ouf. Voilà, la Game Watch que tu as. Nintendo, la Game Boy. J'ai demandé le prochain. Il m'a dit euh, un jour. Parce que là, aucune idée. Bon, en fait, il y a tellement de boulot à faire ces livres que c'est normal que ce soit hyper, hyper long. Hop et ils sont lourds les bouquins, hein, je vous le dis. Sur une étagère, euh, vous êtes sûr qu'elle meurt. Hein. Euh, donc j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté euh, ceci. Boko Chan, quand il avait annoncé euh, il y a au moins un an et demi, ça m'avait fait de l'œil. Euh, Mythos m'a dit, que tu étais excellent. Il m'a fait de l'œil. Et en fait, beaucoup Chan, c'est pas un manga. Euh, c'est ce son. Pardon. Ce sont des mini-histoires qu'il a traduit lui-même. Ça, c'est la préface. Et en fait, c'est des mini-histoires de science-fiction euh, dessus. Et c'est vraiment... Vous voyez, là, ça fait genre 6 euh, pages. Et c'est terminé. Là, vous avez une, euh, une nouvelle histoire de 3 pages. Et c'est des histoires très très courtes. Et euh, ben, ça, c'est parfait parce que moi, j'adore les micro-histoires comme ça. Euh, c'est comme ça me rappelle... Euh, C'était Axolot qui avait sorti les micro-chroniques, euh, des trucs à un tweet. Il te racontait une histoire à un tweet. Et pareil, ça, j'adore ce genre de, de, de trucs parce qu'il y a vraiment une créativité au niveau des histoires. Et ça, ça va être mon prochain livre des toilettes. Voilà. Et vous voyez, il y, y a de quoi faire, il y a 300 pages. Euh, donc du coup, euh, bah, du coup euh, c'est ça. Voilà. Les micro-nouvelles, les micros c'est l'avenir. Euh, donc ça, je suis très content de l'avoir acheté parce que c'est pareil comme on ne les voit pas en magasin. Bon, mais là, on tombant dessus. J'ai dit, allez, on va le prendre. Et c'est l'occasion en plus de, de, de faire ça. Euh, mais ce n'est pas tout. Chez Omaki j'ai aussi acheté un autre truc. C'est ça. Et ça a l'air très cool aussi. Ah. Alors, c'est un livre sur les keiju. Keiju Rama, les plus belles affiches de Godzilla et de monstres japonais. Euh, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ça il me le faut. Quoi. Hop là. Alors, ça explique les kaiju. D'accord Donc du coup, tous les keijus et compagnie. Et euh, année par année, dans l'ordre chronologique, ça montre plein d'affiches de l'époque. Pareil, en expliquant les monstres ce que c'est, etc. Voilà. Et celui-là, il est trop cool, quoi. Et c'est des euh, affiches de, de tous les pays. Hein. C'est pas juste le Japon. Ouais, ça, je vais me régaler à le lire. Ça va être trop bien, quoi. Ça allait bien avec l'Expo Kaiju. Qu quand j'ai vu l'Expo Kaiju, qu quand j'ai vu le livre, j'ai vais. Fait... Ah Allez, viens à la poche avec gamera. gamera qui est donc euh, créé par le studio concurrent de Godzilla. Donc voilà, donc c'est parfait pour découvrir. Et euh, il y a des derniers films, hein. les Shin Godzilla, voilà, euh, King Kong versus Godzilla, etc. 160 pages au MacBook. Euh, voilà, donc ça vaut 25 euros. Euh, donc ça c'est, euh, hop, on peut le passer ici. Donc très beau, je suis très content d'avoir ce, ce livre. Donc ça c'est cool. Donc tu dis voilà c'est, euh, c'est une bonne introduction. Oui je pense c'est bien. Euh, Bibi boy. Oui. Merci Emmanuel pour ton retour sur Bibi boy. Euh, donc voilà donc l'histoire très courte pour Boko-chan Il faut un livre sur Moro, sur la SF japonaise. Ah attendez, bloc. Voilà. Yep. J'ai beau euh, mettre 5 euh, minutes. Ah, un truc que j'ai oublié de dire aussi, j'avais acheté euh, pour pour MacBook, c'est fini. J'avais pas d'autres euh, achat achats. Je regarde, mais non, non, c'est bon. Euh, mais j'avais aussi acheté sur le stand Bandai un support. Euh, ça vaut 8 balles. C'était pas cher. Un support à faire soi-même. Hein, du coup, il faut quand même le monter parce que même les supports, il faut les monter. Euh, et ça, ce support, ben, voilà, je pourrais mettre mon beau Gundam. Vous savez ce Gundam-là, là. là. Voilà, hop. ce beau gundam que je suis en train de faire celui-là ce Gunpla pardon pour l'instant voyez j'en suis là voilà bon là il n'est pas fini du coup hein. mais euh, j'ai bien avancé je suis très content mais en fait, je vais le mettre comme ça, ça sera peut-être plus clair donc ça voilà je continue et ça, c'est ma lime magique, la Wizard, elle est trop belle, il faut que je vous la montre, hein, c'est le moment, hein, à y être. Regardez-moi ça, la lame de la mort, en verre et tout, c'est la lime, elle est super belle, quoi. Je suis très, très fier de mon investissement, il faut que je m'achète une pince, une vraie pince, pas ça. Voilà, j'arrête là, hop, mon gunplay est trop beau. Alors, c'est exactement ça. Le Gundam, il prend la poussière, mais avec style. Et ça, c'est le plus important c'est le style. Euh... Salut Oni Bon, t'inquiète pas, il y a, le, y a le, le replay. Tu peux, tu peux le, le regarder ou faire la suite avec nous. Il n'y a pas de souci parce qu'on arrive bientôt à la fin de la Japan Expo. Euh... Et en plus, il nous reste une heure ça sera parfait. Donc voilà, Donc, voici les bouquins que j'ai pris. Bon ça on en a parlé pour le Gundam, c'est bon. Euh, je crois que j'ai montré toutes les photos que j'avais. On arrive à la fin. Euh, voilà. Stan Gunpla, c'est parfait, j'ai tout. Euh, mais c'est bien là, je crois qu'on arrive à la fin en tout cas de la Japan Expo. Parce qu'après, il reste encore l'exposition Gafo. mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des achats sur Paris. Sur Paris. Alors il faut savoir que pour rentrer, je suis rentré, moi je suis parti vers 7h30 hein, de, de la Japan. Euh, pas sa ferme à 18h, hein, mais je suis parti vers 7h30. Le temps de finir avec l'équipe. En plus, c'était mon dernier jour. C'est là que jeudi et vendredi. Donc, du coup, euh, à aider jusqu'au bout et tout ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai voulu rentrer euh, avec le RER. Mais le RER, déjà qu'il était bien plein, et eh bien, en plus, euh, bien sûr, on a à l'arrêt. Et j'ai attendu euh, genre une heure ou une heure et demie dans le RER. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. En plus, j'avais un repas avec un ami le soir euh, qu'on avait, on avait galéré à se dire Allez, ce soir-là, on se voit et tout, et machin. Ce qui fait qu'au lieu de rentrer, à, au lieu de se voir, on va dire, à 9h, euh, au resto, au pépère et profiter, on s'est euh, retrouvé au resto à finir dans un bar, à prendre une assiette, parce qu'il n'y avait que ça, euh, à 10h30. On a bien profité après jusqu'à jusqu 1h du matin, mais euh, ou minuit et demi, je ne sais plus. Mais euh, voilà, ça faisait plaisir de le voir. Et, euh, et donc, du coup, on a réussi à se voir. Mais alors, la galère avec le VRR, parce qu'il avançait par, petite, euh, par petits bouts, station par station. Et pour le moment, ça m'a saoulé, j'ai dit bon mais je ne vais jamais rentrer, à... c'est pas possible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai vu, j'étais à Aubervilliers, je crois. Euh, il y avait une station de métro qui était à 20 minutes à pied. J'ai dit bon allez, je descends. J'ai de la... marché 20 minutes euh, super vite pour aller jusqu'à la prochaine station. J'ai fait plusieurs changements, je suis arrivé à mon hôtel. J'ai jeté toutes mes affaires parce que là, j'avais le sac était plein. En plus, j'avais refait des courses pour max et tout euh, derrière. Je suis sorti, on s'est rejoint devant mon hôtel, hôtel au resto. Mais c'était la, la course, la course, la course. Quand je suis rentré à minuit et demi pour prendre une bonne douche et tout, j'étais content. <laughs> Alors, euh, c'était ça, c'est exactement ça 5 cm par seconde. Euh, c'était une station par heure. Euh, donc voilà pour la fin de la Japan Expo. Alors, honnêtement. Ouais, ben je, moi je connais pas les quartiers de Paris. Effectivement, Aubervilliers, euh, là après j'ai pas eu de soucis, hein, c'est très bien passé. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, le, le, comment dire, l'ambiance n'est pas la même que dans le centre de Paris, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai euh, eu aucun souci, euh, j'ai pas eu de, de, de problème de, de ce côté-là. Et il n'y a pas enfin, en pleine journée et tout, enfin c'était le soir pardon, c'est le soir mais bon il faisait jour, il y a, je pense peu de raisons. Euh, donc voilà, donc de manière générale honnêtement, c'était très sympa d'avoir de, de, refait cette Japan Expo parce que j'y suis vraiment allé en mode très cool. Euh, en plus, euh, voilà, euh, ça m'a été euh, proposé, donc euh, je n'avais pas, de, pas de, de rentabilité à faire, etc. L'équipe avec qui j'ai travaillé, ça a été génial. De euh, très bons moments avec toutes les rencontres que j'ai pu faire, euh, que ce soit les autres, autres youtubeurs ou euh, les abonnés, euh, voire même les Patreons comme Zeno. Euh, qui, qui me soutient aussi sur Patreon. Donc du coup, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment super. J'ai vraiment, euh, vraiment passé un bon moment. Si on me repropose d'y aller, mais bien sûr que je dirais oui, ce sera avec plaisir de rebalader euh, dans les allées, etc., rencontrer des gens, tout ça. Euh, y aller exprès, non, J'y retournerai pas parce que ça me coûterait beaucoup trop cher d'y aller pour, pour euh, au final, euh, acheter des choses sur place. Quoi. Je, ça ne me dérange pas, je les achèterai euh, là où j'habite. N'oubliez pas, vous pouvez liker la vidéo, je rappelle. Euh, je rappelle pour ceux qui sont là, c'est toujours cool quand vous, euh, quand vous likez la vidéo. Et vous pouvez aussi soutenir euh, la chaîne. Vous avez tous les liens dans la description. Euh, alors, euh, je pense que c'est tout pour la Japan. Et je vous propose maintenant de passer à la suite. Euh, la suite, on arrive au samedi. Donc le samedi, donc ça c'est bon qui va être le dernier jour sur lequel on va parler parce qu'après dimanche et lundi euh, c'était un petit peu euh, différent enfin, attendez, hop je range ça par nom voilà je refais un petit peu de tri alors il faut savoir comme je disais euh... ah c'est toi Ouni, ok d'accord ok ok cool 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 oui effectivement elle n'était pas tout seule et il y avait euh... Et il y avait des euh, d'autres personnes avec lui. Et du coup, on a pu euh, discuter. Euh, voilà. Effectivement, je mentionne pas tout le monde hein, parce que je ne sais pas qui va être mentionné. Mais effectivement, Oni était là et qui m'a fait part de son projet. Donc, je n'en dis pas plus. Après, ça sera à Oni d'en parler, euh, s'il le souhaite. Merci Nico euh, pour ta fidélité et pour le like. Ah, bah, Manga Badas qui est là. Il a, il, a, il a rien dit depuis le début, mais il écoute. Il écoute ce qui se passe à la Japan Expo. Bienvenue à toi Mangamada. ça fait plaisir de te voir. Ça fait un moment que je t'ai pas vu sur le live. C'est cool. Euh, alors, euh, donc comme je disais, il, ceux qui voulaient la dédicace sur euh, la Japan Expo euh, de, de, pour Veil, c'était un petit peu compliqué. Euh, c'était un petit peu compliqué et donc euh, du coup... Euh, euh, donc du coup, le... Comment ça s'appelle le... Je me suis dit je vais tenter la dédicace au Renard Doré parce qu'elle dédicacé le vendredi soir à Yaku Shop mais ça je pouvais pas y aller et elle dédicacé le euh, comment s'appelle le, le samedi matin au Renard Doré et ça ça va être une petite astuce à, à garder le jour où vous voulez faire ça il y a généralement moins de monde parce que tout le monde se jette à la Japan Expo et au final les librairies ben, c'est que les personnes qui connaissent qui y vont donc là le matin, moi le samedi matin, bah, du coup, moi j'avais dit parce que à partir de là, moi, ça y est, je n'étais plus à l'hôtel. Euh, après, je suis allé squatter chez Mythos, qui m'a très très gentiment hébergé pendant, euh, pendant trois... deux nuits, deux nuits ou trois nuits, je ne sais plus. Euh, je suis parti lundi, donc euh, samedi, donc deux nuits. Et euh, donc, du coup, euh, le matin, je suis allé euh, lui jeter ma valise au visage euh, chez lui. Donc, dès 8h15, J'étais là en train de sonner, donc moi je me suis levé super tôt. Euh, dès 8h15, je sonne. Ah, voilà, il venait juste de se réveiller. La tête dans le cul, j'ai fait ma valise, j'ai bon voilà. on a parlé de deux minutes, j'ai fait bon, j'ai bien ma dédicace, parce que c'était à 9h30, et je voulais y arriver un peu tôt. Donc direct, direction, le renard doré. Et le renard doré, euh, donc c'est une c'est une librairie euh, dans Paris, je ne sais même pas où elle se situe. Je crois vers Jussieu, je crois. Euh, J'étais le 13 e arrivé. Donc, euh, donc ça c'était cool. Merci Brochette de passer, c'est super sympa pour le like, c'est cool. Euh, donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé, j'étais le 13 13e. Euh, donc j'étais sûr de, j'étais sûr d'y aller. Effectivement ça a des cases des Alors il faut savoir que pour Veil ils ont fait tout un système ultra compliqué pour rien. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, ils ont, euh, fait euh, ils ont fait euh, un système où bon, déjà il fallait être là, d'accord? Euh, les premiers arrivés, premiers servi, mais ils avaient tout un lot de cartes. Et selon la carte que tu tirais, soit tu avais une signature, soit tu avais une signature et une dédicace, donc un dessin. Et euh, donc tu passais, et euh, bien sûr c'était soumis à l'achat d'un livre. Si tu achètes un livre, euh, tu pouvais tirer ta petite carte, et voilà. Et le livre qu'il fallait acheter, c'était un veil. Donc, euh, ben j'y suis allé, euh, j'ai fait la queue, euh, il y avait Mazochiste qui m'a rejoint euh, sur, sur place, j'avais oublié. Euh, donc, du coup, voilà, euh, le, je ne l'ai pas noté. Donc, Masochiste, on a discuté, c'était cool et tout, euh, tout ça. Euh, et donc, euh, du coup, euh, au moment ça s'ouvre, on passe. Donc, on était en 13ème, ça va assez vite. Hein. Et, euh, et là, bon, pas de chance, je. Tire la carte, ce n'est pas la dédicace. La nana, juste avant moi, en avait tiré une. Et en fait, il y en avait genre peut-être une dizaine parmi les, je sais pas moi, les 80 ou 100. Donc il fallait vraiment être chanceux pour en tirer une. Euh, donc c'est pas grave, je me suis dit, ben bah, on, euh, on va y aller. Euh, on, on aura quand même la dédicace. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé, j'ai acheté mon veil, et j'ai eu ma dédicace sur mon veil numéro 4. Alors le veil numéro 4, à la base, j'aurais aimé acheter... Le, le, le collector, parce que Veille, vous savez, je n'achète plus les collectors, mais euh, comme j'ai tous les collecteurs de Veille, je voulais euh, finir euh, les collectors Voilà, c'était une série, je me suis dit, puisque je les ai tous, autant tous les avoir. Donc je pense que je rachèterai le collector pour euh, mettre mon exemplaire dédicacé. Alors, attendez, je sors toutes mes merdes. Voilà. Euh, merci Dorothée d'être venu. C'est super gentil. Merci à, à bientôt Dorothée. Et salut. Euh, Sharknark. Shark Putain, j'ai du mal. Hein. Donc ce veille. alors bon, toujours pareil, nous V, euh, toujours une qualité, euh, nickel. Euh, vous savez j'adore Veil. Veille, hein, veille j'en ai déjà parlé euh, dans, dans le passé. Hop là, voilà. On range le petit hobby. Ça sert à rien de le... Moi généralement les hobbies, je fais ça. Hein, je les mets dans les bouquins. Voilà, comme ça, c'est réglé. Euh, et donc du coup... Alors, il faut savoir que le volume 1 et 2 de collecteur de veille, euh, c'est juste un coffret. Hein. Je vais vous les montrer, comme ça vous le vous les verrez. Ils sont où euh... À force de changer de place, je ne sais plus où ils sont. Bon, aidez-moi à trouver là, parce que là, je trouve pas. Je les ai mis où Ah, ils sont là. Je pas beaucoup aidé hein, pour trouver mon, mon collecteur. Hein. Alors je n'ai pas lu le tome 3 encore. Mais le tome 1. Alors, je vais le... Hop, je vais vous montrer un petit peu les collecteurs. Comme ça, vous allez pouvoir euh, les voir. Alors il faut savoir qu'à la base, la série faisait deux tomes. Mais face au succès français de ce qu'on qu a lu, en tout cas, ce qui a été communiqué. Coterie, qui est une autrice. Euh, a décidé de faire la suite, de continuer la série. Alors, c'est peut-être Noévé hein, qui, qui finance, je ne sais pas. Et effectivement, dans, euh, comme le dit Boris, euh, voilà, comme le dit Boris, alors, attendez, je vais faire ça. Hop. Voilà, c'est surtout un coffret, un fourreau qu'il y a pour, le, pour la version collector, parce que c'était juste. Avec les deux volumes côte à côte. Il y a une carte bonus qui est elle et lui. Voilà, un peu métallisé. Et après, chaque, bien sûr, chaque livre a sa propre carte. Là, c'est le volume 1. Et ça, c'est le volume 2. Voilà. Donc, ça, voilà. Ça, c'est le collector, le premier. Donc, ça, c'est un truc très simple, mais il faut savoir que ce collector-là, en vérité, il était au même prix que euh, les deux livres à l'intérieur. Donc, euh, moi, j'ai pris le coffret sans me dire c'est un collector, c'est un coffret, tout simplement. Parce que le premier, ce n'est pas un collector, c'était un coffret. Hop là. Puis, moi, j'ai vraiment euh, adoré Veil ça. Euh, j'ai pu en parler plusieurs fois euh, sur la chaîne. Et j'ai acheté donc le 3 en collector. Alors, pourquoi Je ne sais pas. J'aurais pu acheter la version simple. Mais euh, je me suis fait avoir par le marketing euh, et par l'ambiance de veille. C'est comme ça. Il faut bien être un peu pigeon dans la vie parce que sinon on se sent mal. Alors je vous montre. Allez, je fais du unboxing. Donc le coffret est un peu du même acabit que le premier. Hop là, est belle. Allez, on va sortir ça. On va regarder ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a une belle carte pardon excusez moi voilà on a bien sûr le volume 3 que je pourrais lire enfin et dans le volume 3 une autre carte Un très fort dans v pour les cartes et après on a ça voilà ça va être la première fois que je les vois hein. je les ai pas ouverts hein, donc euh... Oh, elles sont belles. Hein. Oui, il y a un petit effet à chaque fois dessus. Ouais, j'ai résisté aux pins, effectivement. Elle est très belle, celle-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on paye 26 balles. Hein. On les paye 10 euros de plus pour avoir ça. Hein, puisque le collecteur est à 26,90, je crois. Hein. Parce que ça les vaut. Je vous laisserai juge, hein. je, je suis pas convaincu, mais c'est le plaisir de d'avoir ça. Oula, là, j'essaie juste de remettre mes, mes trucs dedans. Hop là, comme ça c'est fait. Voilà. Eh bien dis donc, je ne ressortirai pas tous les jours. Hein. Donc ça c'est cool. Et après il y a une lettre, mais je ne vais pas l'ouvrir la lettre. Je vais la laisser euh, sceller, mais en fait il y avait une lettre euh, dans un truc transparent qui est scellée à la cire. Ouais, ils, ils sont dans des délire, c'est incroyable. Voilà, donc ça je ne vais pas l'ouvrir. La... Parce qu'en fait, je m'en tape de ce qu'il y a écrit dedans. Euh, je trouverai une lettre, une image, ça me suffira. On va le laisser ouvert. Alors voilà. C'est fou, ils ont mis un bout de carton pour pas en, en, abîmer la lettre. Quoi. Hop, ça c'est fait. Et donc, revenons à notre volume 4. Et donc, le volume 4, dedans, il y a euh, une carte, lui, qui était euh, spéciale. Il y a, je crois, une autre carte, ou pas Voilà. Ah non, oui, d'accord. Ok. Normal. Alors après, il y avait la carte si on a vu la dédicace. Voilà, Youpi dans le mille. C'est exactement ça. Bon, après, veille, ben, hein, vous, euh, vous avez déjà vu à l'intérieur. Hein, c'est un mélange d'illustrations, d'histoires. C'est très. Moi, j'adore. J'adore. Et après, ben, j'ai quand même ma, ma signature qui est là. Vous voyez, c'est une signature. Hein. Alors normalement il n'y a pas la petite rose, mais moi comme je lui ai dit que j'étais amoureux de son livre, du coup elle m'a fait une petite rose. Voilà. Les images, les couvertures et tout, elles sont trop belles. Là, je trouve que l'édition, on a envie d'avoir l'édition, là, c'est un bel objet. Alors, avec il donnait ça aussi. Un jikichi. Voilà. Et il faut savoir que euh, tout à l'heure, je parlais de signature, donc je voulais montrer ici à l'instant. Voilà, c'est ma, ma dédicace. Et euh, j'ai pris, euh, dédic enfin, pris en photo la dédicace. Enfin, c'est la signature. Et j'ai pris en photo la dédicace. Ce n'est pas à moi. Mais je l'ai pris en photo. Et, et voici ce qu'elle faisait en fait. Donc en fait, la seule différence, c'était cette tête. Et je trouvais que elle en avait pour euh, 10 secondes de plus, quoi. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Vraiment un peu dommage. Que. Euh, comment dire est que en fait il y a tout ce cinéma de cartes de pas cartes parce qu'il y en a ils sont passés mais cinq six fois ils ont acheté 5, 6 fois veille pour avoir juste ce petit dessin en fait franchement à un moment j'ai te dire mais fais-le quoi arrête avec le tirage au sort soyez cool et euh, il y en a ils ils ont vraiment pas lâché l'affaire et, euh, et le truc c'est que bah, euh, pour ça je trouvais que franchement ils auraient pu pas faire ce cinéma ils auraient pu directement faire la dédicace et effectivement les trucs un peu rares euh, là, cette fois, c'est différent. Ils font le, ils font le, le un dessin un petit peu plus travaillé, euh, un vrai truc. Pour moi, ça, ça reste une, une signature au final. C'est un petit dessin qui accompagne la signature. Hop là. Voilà. C'est un petit dessin qui, euh, qui est là. Et. Euh, euh, et voilà, et donc du coup en plus en bonus, alors attention je le dis là mais ne, ne faites pas vos demandes parce qu'elles seront refusées euh, directement. Euh, je préfère le, le prévenir. Euh, C'est que là j'ai voulu euh, rendre service à, à deux amis, je ne vous dirai pas euh, qui. Euh, je vous dirai pas qui, mais euh, j'avais deux amis qui voulaient euh, donc une dédicace de coterie qui ne, qui ne pouvait pas en avoir une et euh, compagnie. Donc euh, du coup, je leur ai dit, euh, ben, allez, je peux essayer. Et en fait, quand je suis sorti, comme j'étais 13e, ben, j'ai posé la question, j'ai dis si je refais la queue, est-ce que je peux avoir une deuxième dédicace pour quelqu'un Ils euh, ben, dit, ben, oui, tu peux. Euh, ben ok, ben, du coup, j'y suis allé. Donc j'ai refait la queue et ça allait vite parce que vous avez vu le petit buboui qu'elle fait, euh, ben, ça prend pas 100 ans. Quoi. Et donc, vu que généralement, c'est soit, c'est des signatures ben, signées, ça prend deux secondes, soit euh, une carte sur 10, elle fait ça. Euh, bon ben du coup ben, du coup euh, voilà ben, c'est ça prend trois secondes donc j'ai réussi à avoir une deuxième dédicace alors bien sûr j'ai retiré la carte et je n'ai j'ai une signature encore. J'ai bon ben j'ai pas réussi à avoir le dessin même pour les copains. Après j'aurais pour les copains, j'aurais laissé le dessin, j'aurais gardé ma signature, c'est pas grave ça. Salut Julien, bienvenue à toi. Et le dernier, en fait, apparemment, ils, ils ont dit il oh, n'y a plus de veille. Euh, et donc, euh, j'ai dit, bon, ok, il euh, n'y a plus de veille et tout. Euh, mais moi, je ne pas racheter un veille 1, quoi, tu vois. Je me dis, mais, mais euh, du coup, je euh, j'ai pas envie d'acheter un veille 1, euh, je, je l'ai déjà et tout. Et racheter un 4, euh, sachant que un de mes potes, en plus, avait déjà acheté le 4, euh, avait tenté sa chance et tout. J'ai fait, non, non, euh, ça fait chier de voir. Je dis est-ce que je peux euh, acheter une autre série de Coterie qui est Chronique des 7 cités Qui est là. Et euh, Parce que c'est la même autrice en fait, hein, c'est pas marqué dessus, euh, mais euh, Okumi Fukada, euh, c'est elle, c'est Koteri. Et, euh, et donc, du coup, du coup, euh, bah, le mec là du Ronald me dit Ouais, ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il y avait le mec de Noévé, et moi je paye. Hein, et, euh, et là, euh, la vendeuse me dit Mais il faut quand même demander au mec de Noévé. Je fais Bon, ok, euh, déjà tu m'as fait payer, tu me, tu, tu me le dis après. Euh, et le mec de Noévé, ah non, non, euh, il faut acheter un veil euh, parce que c'est pas l'éditeur japonais et tout, euh, machin et tout. Il dit ouais, mais en fait, j'ai acheté ça, du coup, euh, à la place. Et puis, hop, il a été gentil, le, le, le boss de Nové, il a dit, ah c'est bon, tiens, hop, 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 il a fait un petit euh, manive il dit, tiens, prends ce veil, euh, garde-le en main, euh, signe, machin, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai eu une troisième dédicace pour un ami. Euh, et pareil, j'ai tiré la signature, toujours pas euh, la dédicace. Donc euh, vraiment, le, 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 le destin ne voulait pas que j'ai cette dédicace. Et donc du coup, j'ai acheté les chroniques des, des 7 cités. En fait, une, une, à la base, c'était euh, quelque chose que je voulais faire en numérique. Et bon, ben là, on va dire que euh, la situation a fait que euh, ben, je les ai achetées. Donc voilà, donc euh, ils m'intéressaient. Mais je voulais surtout les acheter en numérique. Ce ne sera pas le cas. Donc je vais les finir en physique. Après, c'est vrai que Noévé font des jolies éditions. Donc je me, je me rassure comme ça. Donc chroniques des 7 cités. Euh, c'est ce que j'ai acheté, du coup, au Renard Doré. Euh, ben, au retour, moi, je voulais passer à l'expo... Voilà, c'est tout pour, euh, pour ça. Ah oui, si, il y a quand même une carte spéciale que je n'ai pas eue, qui était donnée à la dédicace euh, sur la Japan Expo. Euh, donc, du coup, euh, ben, je ne l'ai pas, je l'ai prends en photo. Et, voilà. Si quelqu'un l'a, je crois que Ed, il l'a, donc je vais lui piquer sa carte. Donc, euh, derrière. Et euh, c'est réglé. Euh, sinon, derrière, ben... Je suis allé euh, du coup retourner chez Max parce que c'était déjà 11 heures. Je me dis l'exposition, je vais la ferai cet après-midi. En plus, je vais y rester un moment. Et, euh, et voilà. Ah, C'est sûr qu'en numérique, je n'ai pas les belles cartes. Ça, j'avoue. Euh, et puis les cartes sont jolies avec euh, celles de veille. Elles sont très belles. Euh, et donc, du coup. Euh, alors, je, je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour, pour ça. Mais voilà, c'est pour ça Manga Badass. Et je, je, je comptais tous les petits formats, maintenant je vais les prendre en numérique. Et là, bon, ben, au, au, pire, euh, au pire, je peux toujours après changer d'idée, je verrai. De toute façon, euh, c'est pas grave, je suis pas à 5 livres près. Euh, c'est pas, pas très grave. Euh, ben, je parle beaucoup numérique, mais finalement, à chaque fois, je me retrouve avec les versions physiques hein, pour le moment. Euh, alors, je suis, allé, je suis retourné chez Max. Et euh, ceux qui euh, suivent Mythos sur son. Euh, sur son euh, Instagram ou son Twitter. Maintenant, il est beaucoup plus actif sur Twitter. À chaque fois qu'il prend une photo, il le prend sur un magnifique tapis. Un beau tapis persan. Euh, qui connaît le tapis de Max Je sais que Marie, tu le connais maintenant Alors non, Marie, je n'ai pas échangé mes points au sein de Noévé. Je même pas pensé à prendre mes points avant de partir. En même temps, je n'ai rien de chez Noévé. J'ai sapiens. Euh, J'ai... Euh, euh, comment ça s'appelle ben, L'éveil. Les, les J'avais le 1, 2, 3. Euh, et j'ai les Don't de Mystery. C'est tout ce que j'ai chez, chez eux. Et donc, j'aurais pas pu acheter grand-chose. Euh... Voilà. Et effectivement, pour, pour les, il n'y a pas de soucis, Mamoru. Tu pourras revoir le replay. Et justement, ouais, le, le... j'ai pas du tout aimé moi, le système de, de tirage-sort qui proposait à la, à la Japan Expo. Euh, pour moi, là, c'est soit il y a un nombre de places limitées, je peux comprendre le premier arrivé, le premier servi. Mais pour moi, ça, c'est pareil. Le fait de le mettre à, dès le matin, ben, tous les mecs avec les biais zen, euh, ben, vont l'avoir. Tous les mecs qui arrivent après à 9h, ben, c'est mort. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est es, vraiment euh, une histoire de privilège. Et les tirages au sort quand il y a 50 personnes pour 10 dédicaces et pour faire trois ce gribouillis-là. Je suis très content de ma dédicace. Mais voilà, bon, je trouve que c'était un peu exagéré. Donc voilà. Euh, donc en retournant chez Mac, du coup, j'ai pu voir son tapis. Voici la preuve, il existe. C'est moi sur le tapis. Voilà, vous avez vu, c'est moi. Il existe vraiment. Du coup, j'ai volé son tapis pour faire des photos. Donc tous mes achats de la Japan Expo, ils sont là. Normalement, on a parlé de tout. Hein. Ouais, on a parlé de tout. Voilà, ce tapis est beau. Hein. Il est magnifique ce tapis. J'ai envie d'en avoir un comme ça, mais j'ai pas, pas les moyens pour avoir ce tapis. Donc, euh, donc voilà, donc tous mes achats Japan Expo qu'on a vus. Donc ces achats-là, je reparlerai pas le mois prochain. Hein, puisque ça y est, en plus j'ai pris le temps de vous les montrer. Euh, on ne va pas, on va pas le, le revenir dessus. Euh, par contre, après on est allé à Paris. Euh, on s'est dit, bah, on va faire un petit tour. Donc il faut savoir que euh, je suis allé à Apoumbapoum et à Gibert. Puisque c'était à côté. Donc à Apoumbapoum, j'ai trouvé quelques livres. Et là, attention euh, c'est 43 déjà, bon je vais aller un peu vite. Ah euh, pum déjà j'arrive et je trouve du... Euh, alors je trouve ça, je ne savais pas l'existence. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est Shonen Shojo le titre, c'est sorti du soleil. Alors en vérité je, je pensais que c'était en deux volumes mais je me suis fait avoir, c'est en quatre volumes et en fait la série a été arrêtée. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai aucune idée. Je le lirai. J'ai commandé le deuxième. Et puis voilà, ça a l'air d'être une petite histoire, donc c'est pas grave. Au pire, euh, je m'en débarrasserai. Euh, je, ne, je ne connaissais pas l'existence de ce bouquin. C'est ça qui m'a intrigué. C'est au format moyen, donc euh, il était à 3 balles. J'ai dit, mais tu sais quoi, je vais le prendre parce que euh, j'aime bien justement les titres qui sortent de l'ordinaire. Donc euh, voilà, je ne reste pas plus parce que je n'ai pas plus à dire et je vais accélérer un petit peu. Euh, J'ai trouvé aussi des livres chez Glacier Bay Book, qui sont des livres en anglais, qui coûtent très cher euh, en frais de port pour les commander. Et euh, du coup, je les ai commandés. Alors attention, ces livres qui sont très chers. Celui-là, il vaut 20 euros, par exemple, avec un style graphique, avec un style graphique euh, très particulier, très beau. Mais là, on est vraiment dans l'éditeur indépendant. Alors, c'est normal qu'il y ait des pages à l'envers. Euh, L'éditeur indépendant euh, qui, euh, qui vraiment va chercher des livres de niche et tout. On est un peu l'équivalent du IMO en fait, euh, anglais. Voilà, donc ça, euh, 20 balles ce bouquin. Ça picote. Hein. Attendez, j'ai plus de place là pour un livre là. Allez, ici. Euh, Rabbit Game qui est assez fin. Je crois que je l'ai payé 18 euros celui-là. Bonne soirée, euh, Liloli. Merci d'être venu. Voilà, je vous vite fait je vous ferai des petites reviews dessus. Peut-être que j'aurai rien à dire parce que je ne comprendrai rien. C'est en anglais, bien sûr. Hein. Donc voilà. Alors je ne peux pas vous dire, euh, il faut acheter ça. Hein. Je vous dis juste, moi je tente. C'est un peu les expériences euh, que je tente. Celui-ci, je crois qu'il coûtait, euh, je ne sais plus, 12 ou 13 balles. Il est hyper fin. Alors comme c'est des trucs qui viennent du d'US et tout, automatiquement c'est plus cher. Hein. C'est normal. Hein. C'est de l'indé, c'est déjà plus cher. En plus, ça vient des US, quoi. Vous voyez, donc c'est très beau aussi. Vraiment, ça me rappelle les titres d'Imo. Hein. Publié chez Imo. Hop. Hum. Voilà. J'ai trouvé Ripple. Pareil, celui-là, il était hyper cher aussi. Alors, c'est. Je vais vous l'écrire C'est Glacier Day Book. Glacier Bay Books. Ils ont un site internet. Voilà, donc pareil. Alors, je les ai pris, j'ai quasiment pas feuilleté. Hein. J'ai fait le oh, test, je prends, je prends, je prends. Vous voyez, graphiquement, c'est très particulier. Donc voilà, ça sera des expériences narratives et graphiques, je dirais. Hop, je vais un peu vite Passer déjà c'est déjà 47. Euh je pensais pas prendre la soirée, honnêtement. Mais à chaque fois que je dis ça, ça. Finalement, je dépasse. J'ai beaucoup acheté. Hein. Euh, mais surtout, j'ai acheté celui-ci. Il est énorme. Énorme. C'est un Deizuke euh, Ishiba. Euh, romance Mur, ça s'appelle. Et euh, celui-ci. Euh, je vais vous l'ouvrir. Alors, c'est très spécial. Hein. Attention. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer là. Je vais vous le montrer là. Euh, Deizuke Ishiba, j'en ai déjà parlé sur la, sur la chaîne. Euh, dans le podcast notamment. Avec, enfin, avec Namazuku, dans la chaîne et le podcast. Et, euh, et moi, je bosse demain, Zeno. <laughs> et là, attention, on a des, des dessins euh, avec des images horrifiques. Hein. C'est assez particulier. Attends, voilà. Hop là. Euh, c'est à l'envers avec la caméra. Alors je ne sais pas si c'est un nouveau. Il fait 30 pages, ça vaut 15 balles. La, la dimension est énorme. Regardez-moi, voilà, c'est le genre d'image euh, incroyable. Et ça c'est une expérience. Et il faut savoir que la traduction est sur ce petit livret. C'est-à-dire que la traduction, elle est là. Donc je vais le ranger, mais je ne sais pas où je vais le ranger dans ma collection parce qu'il est immense. Et il faut savoir qu'il y a deux autres livres euh, de lui, dont, un, dont deux à 70 euros pièce. Et il y en a un qui explique justement euh, tout. Euh, enfin. Tout. Euh, comment dire Toute sa démarche. Euh, et ça j'ai envie de me l'acheter mais 70 euros je dis là on va attendre Ouais, ça ça va là-bas euh, donc ça c'est bon alors il faut savoir aussi que du coup Max j'avais j'avais euh, je lui avais acheté Bat Kid Donc du coup il m'a acheté euh, en échange la suite du cago euh, donc la princesse infinie là euh, alors, romance mur je sais pas chez qui il est sorti hein, je ai aucune idée euh, pour Romance Mur j'ai pas réussi à trouver l'éditeur le, 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 mais Arnaud je te donnerai le lien donc euh, voilà avec Issyon d'Angoulême c'est la même taille ah pour le truc Romance Mur ah, c'est beaucoup plus grand ça c'est le catalogue d'Angoulême ça c'est Romance Mur encore plus grand Voilà. On est devant. Hop là, c'est Donc voilà, je sais, on verra où on le met. Je ne me suis pas posé cette question en fait. Très bien. Euh, donc du coup, j'ai acheté le celui-ci. Alors celui-ci, c'est la suite de celui-ci. Et donc, c'est dans la même édition en fait. J'ai la grande, grande édition. Euh, sachant que je l'ai aussi en petite la première. Mais euh, je sais pas, je l'avais racheté en petite. Et je me suis fait. Enfin, je pensais qu'il était plus petite, quoi. Ouais, c'est super grand. Et celui-ci, celui-ci, c'est du grand format. Alors c'est du cago, c'est de l'héroguro. Attention les yeux. Hein Vous savez que les Roguro, ça. Voilà, c'est un peu trash. Tout petit peu. Par contre, voilà, Kago euh, fait toujours des magnifiques planches. Euh, je suis un peu déçu du papier. Le papier n'est pas, euh, pas incroyable. Hein. Pour une édition comme ça. Donc voilà. Alors c'est le prix ACBD, c'est la première. Hein. C'est pas celle-là. Ouais, c'est bien dégueu. Hein. Alors honnêtement, le, le, le premier, j'en avais parlé. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. Hein. Euh, le premier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Il y avait de très bonnes idées, mais qui n'étaient pas exploitées. Alors certes, j'ai lu en anglais, mais je trouvais que ça, ça manquait un peu de trucs. Bon, en tout cas, ça c'était les achats-là. Mais après, j'ai fait Giber. Et effectivement, j'ai vu passer Giber, je me retrouve moi, moi aussi. Mais comme c'est un Giber, je n'ai jamais fait. Mais du coup, j'ai trouvé quelques mangas. Et j'ai trouvé euh, des mangas, euh, des manois manoirs euh, d'une autrice, enfin non, Kim, non, d'un auteur, pardon. Donc il y a Histoire de couleur de terre, les trois volumes, et la mal aimée. Et donc du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon, euh, j'ai vu ça d'occasion, je me suis dit, es, c'est quoi, je vais les prendre. Donc j'aime bien son dessin. On verra. Donc quand j'aurai lu ça parmi mes 30 000 manoirs à lire. Mais je commence à voir quelques manois là. Une petite sélection qui a l'air pas mal. Voilà, pareil pour la mal aimée. Ça, c'est un seul volume. Bah, voilà, ça a l'air très joli. Je désolé, j'accélère un petit peu. Et j'avais trouvé ce dernier, pareil un autre manoir, mon chat et moi chez Imo. Je l'avais pas celui-là. Et là, bon, le dessin est beaucoup plus euh, la capsule manoir exactement. Va falloir que je renomme. Il fait chaud dans ma pièce, là, je vous dis, je commence à avoir chaud. Les projecteurs, là, ils commencent à, à, se, à se faire sentir. Voilà. Alors, c'est pas fini parce que quand je suis allé chez Max, il m'a offert très gentiment ces vieux short programmes d'Adachi. Et cette fois, si vous regardez bien, c'est un Adachi avec un C. Voilà. Effectivement ils sont en bon état, c'est pour ça que je les ai pris Arnaud, les, euh, les Casterman. Généralement ils sont défoncés, le dos est, est, est mort et tout. Là, je suis tombé sur 4 en excellent état. À moitié prix, je les ai pris direct. Donc short programme, puisque il essaye de me faire lire du hadachi absolument. Mais, euh, mais il m'a proposé, euh, si je les voulais, je dis bah ben, oui. Et euh, on a regardé. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est en 4 volumes. Hein, mais si vous avez la première édition... En fait, il faut acheter de la nouvelle édition les volumes 3 et 4. Parce que les 1, 2, 3 d'ici représentent euh, le volume 1 et 2. Voilà, de la nouvelle édition. Donc si ça me plaît, j'irai acheter donc, euh, chez son frère avec Adafi. Euh, donc, n'est-ce pas, euh, manga badas Et euh, chez Adafi, ben, du coup, le euh, 4 et 5. Moi, je m'en fous de que ce soit dépareillé, c'est pas grave. Euh, voilà. Donc, j'étais content d'avoir la, la première édition. J'aime bien les premières éditions, malgré tout. Donc, euh, voilà. Donc, max, euh, max donc voilà donc max max le bon tuyau donc voilà j'étais très content c'était très cool donc il faudra que je lui retourne l'appareil euh, un jour avec une collection à vendre et m'a aussi fait acheter ce salaud euh, je l'ai commandé je l'ai reçu le coffret de Gone, en italien parce que j'ai vu l'édition j'ai fait ah putain elle est trop cool quoi exactement c'est andrade <laughs> Et cool parce que ce petit coffret il a une petite queue. Voilà, et en fait, euh, franchement, l'édition est très cool. C'est l'intégrale pour ceux qui connaissent pas Gone, c'est un, euh, un petit dinosaure. J'en parle rapidement parce que j'ai trouvé l'édition vraiment bien. Euh, en fait, j'ai là ce week-end, ce week-end, euh, je, je, c'était le festival des belles éditions. En fait. C'est incroyable parce que d'habitude. On tombe toujours, c'est des éditions un peu bof-bof, genre ça. Voilà, ça l'édition, elle est, elle est euh, en plus quoi. Et, euh, et là, euh, entre les Five Star Stories, les euh, machins circus hein, euh, de Fujita, j'ai déjà oublié, ou euh, Gone, euh, du coup, voilà, pareil. Euh, et comme il n'y a pas de dialogue, c'est une version italienne, comme il n'y a pas de dialogue, et cela, je les récupéré en numérique, en illégal, bien sûr. Mais quand j'ai vu l'édition, je fais putain. Euh, J'avoue que là, Gone en livre, ça pas la même. Euh, ça ne rend pas pareil. Il y, a certains, il y a certains mangas, je trouve que, autant en numérique, c'est même mieux. Euh, autant en Gone, je trouvais que la version physique était, euh, était vachement bien, en fait. était plus immersive. Donc voilà. Donc voilà, il y a certains livres comme ça, effectivement. Euh, des fois, le, le, le numérique, je trouve, n'est pas, euh, pas bon. Et d'autres, comme euh, voilà. je dis, je dit, Dragon Ball super, le numérique, il est parfait. Mais Gone, il y a une ambiance avec les deux pages et tout. Je trouvais que c'était pas pareil. Je reviendrai, je pense, sur Gone un peu plus tard. Enfin, voilà. Là, on a fini pour les achats. Parce que du coup, j'ai repris, bien sûr, une belle photo euh, d'achat de tout ce que j'ai fait. De tout ce que j'ai acheté. Tout est là, sur son tapis. J'en ai profité. Euh, et là, je me suis ruiné, hein, vous, vous en doutez. Donc... Euh euh, hop, je remonte un peu, je. Hop là. Bah, voilà, il m'ont arrêté le rough, Hop. Euh, donc, tu savais pas, il va falloir que tu t'achètes les deux alors. Exactement. Donc, c'est des nouvelles histoires pour, euh, pour Short Programme, le 3 et le 4 de la nouvelle édition. Euh, c'est un dino qui pète dans Tekken, exactement. Voilà, très belle édition de Gone. Effectivement. Coucou les couches tard, salut Jocelyn. Et là, on va pouvoir attaquer la dernière partie, celle que vous attendez tous, euh, qui était donc, ouais, c'est un coffret italien que tu peux trouver sur Amazon. N'oubliez pas, je rappelle, vous pouvez soutenir la chaîne il y a des liens, notamment si vous commandez sur, euh, sur Amazon, si vous commandez euh, sur BDFugue euh, ou sur euh, Rakuten vous avez des liens, utilisez-les dans ma description ça aide la chaîne et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc voilà, même si vous avez n'importe quoi à commander sur Amazon, si vous juste vous cliquez sur mon lien et vous commandez, moi j'ai un petit truc derrière. Donc ça c'est cool. C'est con, c'est quelques centimes, mais euh, cumulé, euh, ben, ça me permettra de, de, euh, de, 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 de faire profiter la chaîne. Euh, parce que là je vous avoue, j'ai eu beaucoup de dépenses. Hein. <laughs> Alors l'exposition. Donc après l'après-midi, je suis allé à l'exposition. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu de l'expo. Attends, c'est quoi ça Non, ça c'est bon. Donc l'expo, voilà, qui est là. Putain, alors c'était pas une expo. C'est 36 euros le coffret sur Amazon. Ce qui est un prix. Ça fait 12 euros les volumes doubles. doubles. C'est pas mal. Je ne sais pas combien de pages ils font, je n'ai pas compté, mais. Euh, donc du coup, Garo, c'était à la maison de la culture du Japon de Paris. Euh, J'y suis allé. Euh, et donc du coup, est-ce que j'ai une photo de l'ensemble euh, je, je regarde si j'ai ça. Alors là, trier par nom. Euh, est-ce que j'ai pris une photo à la fin de l'ensemble Peut-être ici. Ouais, voilà. Super. Donc l'exposition en soi n'était pas euh, immense. Donc, euh, mais il y avait pas mal de choses à lire. Il y avait de quoi rester une bonne heure facile à lire les textes euh, euh, dedans. Alors effectivement, il faut savoir que pour euh, Garo, il y a deux choses à, à voir ou à écouter. Premièrement, je vais mettre en avant notre podcast. On a fait, enfin, on, Manga Curator a fait une super interview de Claude, Le, Claude Leblanc qui a organisé, qui était commissaire de l'exposition. Donc du coup, on revient pendant euh, sur un petit peu son parcours et euh, sur euh, son, son affect sur Garo. Donc voilà, c'est super intéressant à écouter. Et en plus, il y a euh, une il y avait une il y a une rediffusion de la conférence de Garo sur YouTube. Si vous tapez exposition Garo et Maison du Japon, euh, vous allez trouver ça sur YouTube. Ça dure une heure et demie. Et il y a Claude Leblanc qui parle justement de Garo. Et pareil, il, il, c'est complémentaire les deux, euh, ce qui fait que c'est super intéressant. Euh, donc voilà euh, donc voici l'exposition donc ça faisait une sorte de, de carré avec un, un élément central euh, je vous montre un petit peu les images euh, voilà sur le côté donc vous voyez il y a des panneaux euh, année par année qui expliquent c'est ce que vous allez voir alors voilà là hop. j'ai pris des vidéos j'en ai pris plein pour que vous puissiez voir ça voilà les vidéos sont là donc, puissez voir un petit peu euh, commencer, désolé je fatigue un peu voilà ça sert à rien d'éviter je t'ai filmé euh, d'autres exemples euh, de vidéos par exemple ici voilà de l'autre côté vous pouvez bien voir le commencer donc beaucoup de panneaux par année et aussi par hauteur donc il euh, y avait vraiment une une question de euh, comment dire, il y avait vraiment euh, une lecture, un ordre à respecter. Euh, peut-être le point, c'est que des fois, il y a des drop names d'auteurs et le panneau de l'auteur était, était plus loin ou ailleurs. Donc, euh, moi, je connaissais tous les auteurs quasiment, donc c'était bon. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il aurait pu peut-être être un peu perdu par les noms et peut-être il manquait un euh, voir description euh, pour dire il y a un auteur, on te donne la description plus loin. Comme ça, ça te permet d'avoir ça. Ça reste, ça reste un, très bien. Honnêtement, là, c'est je chipote, hein. je chipote vraiment. Ça reste très bien. Je suis très content moi, de, de l'expo. J'ai passé pff, deux heures et demie sur place ou deux heures. J'ai tout lu, bien entendu. J'ai tout pris en photo puisqu'on pouvait. J'ai demandé l'autorisation et on pouvait tout à fait prendre autant qu'on voulait. Donc, j'en ai profité. Euh, non, c'est pas ça. Des fois je vais vous mettre les mêmes parce que euh, c'est là où j'ai pris les, les vidéos. Hop, celle-ci, est-ce qu'on l'a vu déjà peut-être hein. Donc il y, y a eu beaucoup de monde. J'étais très surpris par le monde qui pouvait y avoir. Euh, j'ai essayé de prendre des vidéos et comme vous voyez, il euh, y a toujours toujours du monde. Il y a vraiment que pff, la dernière heure avant la fermeture. Où ça s'était vidé mais là il y avait du monde c'est eux d'ailleurs c'est euh, c'est TikTokers. Eux. sur le coup j'ai pas reconnu et c'est après après coup euh, que j'ai reconnu il s'amuse à faire des différences entre français et japonais des prononciations tout ça donc c'est tic toc j'ai déjà vu je suis pas allé leur parler euh, j'ai laissé tranquille euh, fait voir une dernière vidéo là. voilà après, je vais vous montrer un peu plus en détail. Là, c'était vraiment l'ensemble. Le, le, pour que vous puissiez vous, vous dire, bon, ok, là, j'ai... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Vous voyez à peu près comment c'est disposé. Parce que le contenu, il y avait pas mal de choses. Alors déjà, il y avait des panneaux comme ça. Comme je vous disais, je vous en mettrai un exemple. Pas mal de panneaux comme ça. Qui justement reprenait un petit peu la, la, les thématiques de, de l'année. Euh, des fois faisait un petit focus sur un numéro et ensuite reprenait sur recontextualiser normalement année par année. Donc c'était très intéressant. C'est un truc à décortiquer euh, plus tranquillement. Il y avait aussi des vitrines. Euh, donc des vitrines. Hop. Non, pas ici, pardon. Hop là. Pas la meilleure vidéo, voilà. Genre, euh, le premier Shonen Jump, euh, le, le, le magazine sur lequel s'est inspiré très certainement la couverture. Euh, il y avait des choses comme ça. Alors, je vais grossir les icônes hop, comme ça, Trier par nom. Voilà, j'essaye de vous montrer. Euh, voilà, on voit de plus près ici. Vous avez vu tous ces beaux travelling que j'ai fait pour vous là. Eh, hey, c'est pas beau ça. Hein. Voilà, le premier garrot ici. Ce garrot là, il vaut il vaut 300 balles maintenant. Hein. Il est hyper cher, hein, 1964. Hein. Voilà, on avait. Euh... Je vous mets les vidéos, c'est plus vivant. C'est mieux que les photos. Vous préférez les vidéos ou les photos Je n'ai fait plein de petites vidéos comme ça. Voilà, il y avait bien sûr des magazines ouverts. On voyait les planches. Ça, c'est tout gai avec euh, le marais. Voilà, on a. Hop là. Oups, ça a planté. Parce que j'ai mis une image. Il n'a pas apprécié la blague. Voilà, donc. Euh un petit peu d'ambiance euh, qu'est ce qu'on a après celle ci par exemple voilà donc là on voit à droite du camuden à gauche et du mizuki on voit garrot numéro 5 garrot numéro 9 qu'est ce qu'on a après Je continue hein? encore du Kamuden Voilà, alors je vais juste fermer les photos. Hop là. Voilà, comme ça, c'est un petit peu de mémoire. Euh, Qu'est-ce qu'on a après euh, Il y avait des livres aussi, pas mal de livres. Merci Nico pour le retour. Non, il n'y avait pas de catalogue d'Espo. Il n'y avait pas de, de livre particulier. J'aurais bien ramené le petit souvenir, mais il n'y en avait pas. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a on avait, voilà, on avait cette planche qui était énorme. Euh, C'était une parodie de la vis. Donc la vis de Tsuge. D'accord Donc en fait, en haut à droite vous avez la vis. Attendez, hop là. Voilà, à gauche vous avez la même scène mais euh, cette fois avec euh, une sorte de pénis là euh, derrière et en dessous c'est la même, <laughs> non pénis ici. C'est ce que j'ai partagé sur les sur les réseaux et c'est exactement la même chose mais euh, version parodique. Donc là entre le 68 le garrot hors série et euh, parodié par un par par Aka Zegawa Genpei. Voilà, en 1973. Donc il y a, il y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a après euh, toc. Voilà, donc euh, pas mal de planches. Vous voyez, il y avait vraiment comme il y a tous les magazines, il y en a beaucoup, des magazines garros. Euh, ben, du coup, il s'est fait plaisir. Quoi. Il a tout mis. Euh, ouais, on, on voit que c'est tiré de là, vous voyez. Il en a mis plein. Il y avait des garros comme ça des fois qui étaient juste dans... Euh, euh, dans dans, dans, un, dans un cadre voilà euh, qu'est ce qu'on a après voilà d'autres Garou euh, voilà yutakia moi j'adore cet auteur j'aimerais bien qu'il y ait d'autres mangas de lui lui il a fait chaud euh, chaud les par exemple lui il a fait ça on va en parler bientôt quand on fera la manga tech histoire courte Takiya. Takita. Voilà, il a fait ça. Les histoires singulières. Donc voilà, Alors là, le dessin est très particulier. Mais c'est quelqu'un qui sait raconter en fait le Japon d'avant avec beaucoup d'humour. Donc là, il y a le tout comme histoire, hein, contemporaine ou pas. Et mon préféré, j'aime beaucoup celui-là, mais mon préféré, c'est celui-ci. Chou, -chou, chou, les petits pains. Et en fait là vraiment tu tu, tu retra... enfin tu retournes dans le Japon d'autrefois et c'est vraiment super quoi et c'est ce qu'il raconte dans C'est le truc de garou en fait je savais pas à l'époque mais c'est vraiment super Ryota de Mandala c'est pas le même c'est pas le même c'est encore autre chose donc on pourra en parler à l'occasion euh, voilà donc là non ici petite vidéo on voit là hein. pas mal de ça c'est du sasaki euh, ça y est dans le volume de charivari euh, avant ça c'est ce qu'on retrouve cette planche là c'est ce qu'on retrouve normalement dans Chouchouchou les petits lapins je sais pas où je sais pas si on peut la retrouver mais Je vais voir si, si j'arrive à la retrouver juste à une première passe. Sinon, tant pis. Hmm, ça n'a pas l'air. Non, comme ça, je ne trouve pas. Voilà, du Camuden. Oh, encore. Allez, 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 dégage. Euh, voilà, continuons. Continuons. Donc un petit peu de, de panneaux. J'en ai pris. Hein. Voilà, souvent on avait des panneaux là comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu les textes. Vous pourrez lire dans le replay. Hein. Quelques panneaux. On avait aussi du... Euh, euh, du... Merde du Anawa Anawa avec son trait euh, très caractéristique avec de l'hérogouro on en a parlé dans les podcasts du malaise la demeure de la chair j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cet auteur très dérangeant euh, qu'est ce qu'on a encore ah oui on avait ça aussi euh, alors je vais mettre la vidéo voilà, donc là on avait genre le. Le, le Shonen Chun Les. Euh, très nationalistes à l'époque euh, qui aimaient bien mettre la guerre en avant. Le premier. Euh, Shonen Jump ici. Pour les garçons et les, les voitures. Qu'est-ce qu'on avait après Le Shonen Champion numéro 1 en 1969. Comme. Le magazine de Tezuka, bien entendu. Voilà. Ça, j'aimerais bien les, les posséder. Oups, attendez. Je fais n'importe quoi. Euh, donc, comme. Alors, comme, qui du coup était un concurrent à Garo, mais qui avait pas du tout la même, la même euh, philosophie. Hein, donc, voilà. On, on le sait, c'est pour ça que comme a vite été oublié de l'histoire. Manga action, le manga qui a Lupin. Lupin 3. Et ça, c'est donc euh, Shukan Margaret, le, le magazine de Shojo. Euh, voilà, donc le premier, sur la 1963. C'est incroyable la collection qu'il a. Big Comics numéro 1. Donc voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de, de magazines. Je vous les remets, comme ça vous allez pouvoir les voir d'une traite. Voilà, j'ai essayé de faire les petits travelling, des petits trucs comme ça, pour que ça... Que ce soit un petit peu plus joyeux j'ai passé un moment hein, à faire des photos hein. les, les nanas à l'accueil de dire mais qu'est-ce qu'il fout lui pas possible ça fait une, ça fait deux heures qu'il est là il a tout pris en photo j'ai plus de batterie sur mon téléphone à la fin je, je lui ai défoncé la batterie voilà voyez un petit peu comment ça donne ils sont épais quand même les livres. Ils sont épais. Je vais devenir euh, caméraman professionnel. Et il y avait des reproductions euh, de, de plaques qui étaient très jolies. Donc voilà. Donc moi j'ai repris en photo bien sûr le, le com. Hop là, pardon. Je passe sur les photos. Le fameux com. Salut Rude. Bienvenue à toi. Voilà, je l'ai pris plein de fois en photo. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On avait d'autres euh, livres. Non, ceux-là, on les a déjà vus. Mais il y avait d'autres livres encore. Je regarde parce qu'il y a beaucoup de doublons dans mes photos. Euh, il y avait aussi au milieu, on ne l'a pas vu au milieu, mais c'est pareil, il y avait une télé. Ouais, c'était très cool, tu pourras voir le replay, Roude. Je suis très très content d'y avoir assisté. Euh, voilà, il y avait la télé, c'était là. En fait, il y avait des phrases, euh, comme on peut voir, de Taniguchi, de Yamazaki Mari, Anawa, Ilaya, euh, Genpei Akazegawa. Euh, il y avait plusieurs phrases comme ça par rapport à leur, leur comment dire, euh, leur intérêt pour Garo. Et sur la télé, il y avait toutes les couvertures qui passaient. Alors c'était très long, ça changeait toutes les 10 secondes. Donc quelqu'un qui voulait prendre en photo, au moins il y avait une personne et restait au moins un quart d'heure à prendre des photos. Et en fait les couvertures on les trouve sur, sur internet. Hein. Mais ils avaient mis une télé histoire de mettre un petit peu d'animation. Donc voilà. Euh, voilà il y a des ah oui il y avait ça aussi. Donc là il explique là le Amazing Awards de 1987 qui mettait en avant justement Camus uh, DN, tout ça. Et euh, là vous avez donc deux livres. Euh, deux livres. Donc le premier c'est le crikytu. Ça, vous savez, j'ai les criquitues. Hein. J'ai fait euh, des vidéos dessus. Il hein. euh, y a très peu de vues sur le crikytu. Donc euh, vous n'êtes pas allé voir les vidéos du Kriki Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de, de les regarder. C'est vidéos que j'ai fait au début de la chaîne. Qui explore en détail chaque magazine. Et c'est con mais euh, du coup on voit vraiment ce qui avait été mis en avant à l'époque et tout. Euh, Qui tue Voilà, j'ai des tous là. Il y a le 2. Euh, les 6 sont là. Donc vous voyez. Euh... Merci Jocelyn. Merci d'être euh, d'être venu. Euh, donc là et euh, l'autre euh, qui est euh, qui est là ou là-bas Non, je pourrais pas le sortir. Je crois qu'il est là-bas. Bon, -ce que c'est ça Non. Bon, l'autre je l'ai aussi. Euh, le celui à droite qui s'appelle BD Bulle d'Angoulême qui a été réalisé par Atos Takemoto. Euh, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Il doit être là. Voilà, comme ça, je ne trouve pas... Euh, parce que là, comme il y a le projecteur qui est devant mes livres, je ne vais pas euh, m'amuser à, à tout casser. Mais euh, en tout cas, je l'ai. Sachez... Ah, s'il si, est là. Voilà. Il était un peu plus au fond. Je me disais, normalement, il est là. Talent donc, euh, c'est des livres pareil, c'est super intéressant à, à avoir. Et j'ai dépayé une misère parce que tout le monde s'en foutait. Et donc, euh, je suis très content. Euh... Toi, tu as tout vu euh, Nico Et c'est super intéressant. Eh bien, écoute, Nico, merci en tout cas d'avoir été là toute la soirée. C'est très gentil. Euh, voilà, et je crois que de toute façon, on commence à arriver à la fin. Euh, Puisqu'on a tout vu, je vous ai montré le contenu, je vous ai montré le, la vue d'ensemble. Donc, quoi dire sur l'expo Donc, comme je disais tout à l'heure, euh... alors on va mettre cette image pour, Hop là, pour finir dessus. Voilà, quoi dire sur l'expo Ben, en fait, vraiment, c'était une bonne expo. Euh, c'était euh, pas trop long pour les gens qui ne connaissaient pas. Ça restait accessible. Maintenant, il y avait beaucoup de texte mais il y avait aussi beaucoup de beaucoup de de, comment dire, de, de, aussi de, de de livres, de planches euh, qu'on pouvait euh, observer. Si on lisait le texte, automatiquement, ben, les planches parlaient beaucoup plus parce qu'on retrouvait ça. Là, ce qui pouvait manquer peut-être des fois, c'était d'être un peu descriptif pour les néophytes. Mais euh, dans l'ensemble, euh, j'ai vu pas mal de gens passer, prendre le temps de lire. C'était assez euh, surprenant. D'habitude, dans les expos, euh, les gens, ils restent 10 minutes, ils se cassent. Et beaucoup de flux. J'étais assez surpris de voir autant de personnes au fur et à mesure qui venaient dans l'espo. Donc voilà. Coucou Antoine. Tu arrives à la fin là. <laughs> et donc c'était un bon moment cette Expo. J'ai passé un très bon moment de, sur ça. Et donc ben, elle est jusqu'au 31 juillet. Donc ceux qui sont à Paris ou pas loin, allez-y, c'est dommage de, de la rater. Je trouve que les textes étaient cool. Si un jour je fais une vidéo sur Garo, euh, si j'arrive à trouver le temps euh, là-dessus, bon mais j'ai pas mal de matériel euh, à reprendre euh, derrière. J'ai pas mal de petites vidéos pour illustrer. Donc ça, c'était euh, plutôt cool. Donc je suis assez content. Et les cris qui tue je les ai achetés il n'y a pas si longtemps. Je les ai achetés il y a peut-être 3-4 ans. Euh, seulement, en fait. J'ai complété ça il y a peut-être 3 ans au maximum. Mais hein. c'est juste qu'à l'époque, euh, vraiment personne ne s'en intéressait. J ai, j ai... Il n'y a que le dernier que j'ai payé un peu cher. En gros, euh, chaque magazine, je les ai payés à peu près euh, 10 euros maximum. Et euh, le cinquième, on me l'a donné. Et, euh, et le sixième, je l'ai payé 60 euros. Euh, voilà, parce que euh, je lui ai dit, je le veux, comme ça, j'ai la collection. Et j'ai bien fait parce que je ne l'ai pas revu après. Donc, je l'ai payé 60 euros. Et euh, c'est comme le premier livre sur euh, le manga. Euh, édité, donc, euh, qui, est le, qui est un Nishinomori avec le, le, le Vent du Nord euh, et, et le Hennissement d'un Cheval, un truc comme ça. Euh, lui paraît je l'avais payé une dizaine d'euros. De euh, toute façon, euh, on, on fera sûrement un jour une vidéo euh, justement de tous les vieux livres. Ça serait l'occasion de voir ensemble tous ces vieux bouquins, les premières éditions, etc. Et en plus, j'ai complété mes trucs puisque j'ai acheté euh, Mourir pour le Japon. Euh, qui me manquait cette édition euh, voilà la seule chose que je n'aurais pas c'est candy candy mais c'est pas grave parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est donc euh, voilà ah ben oui ah oui la priorité umbrella academy oui je vois merci quoi <laughs> donc euh, euh, voilà pour ça après euh, donc pour l'expo j'ai pas plus à dire on est arrivé à la fin de l'expo euh, après j'ai lu chez Mac j'en ai profité parce que j'avais acheté. Prix euh, correct, 10 euros, le dernier, ça douille. Oui, voilà, oui, c'est ça. Euh, vu que j'avais payé le, tous les restes euh, pas très cher, euh, j'avais. Euh, 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 du coup, je me suis dit, on m'a donné le 5. Euh, au final, euh, si je lisse la moyenne des prix sur l'ensemble des volumes, ok, euh, je paye euh, 60 balles, c'est pas grave. Quoi. Vu que j'ai pas payé le 5, euh, je pouvais y aller. Et puis, j'ai la collection complète. J'ai vraiment la collection complète, elle est vraiment là. J'ai même pas, de toute façon j'ai fait des vidéos avec. Tout est plastifié parce que ça, euh, protection, je ne vais plus jamais les ouvrir. Maintenant je vais regarder mes vidéos parce que je les ai quand même un peu abîmés pour faire les vidéos, hein, ça pour vous. Et, euh, et euh, il faut que vous allez voir ces vidéos, ok J'ai abîmé mes livres pour vous. C'est vrai que certains, bah, du coup la colle elle commence à se faire vieille. Hein. C'est des livres qui, qui ont mon âge, hein. ils, ont 40, ils ont 40 ans, quoi. Donc euh, automatiquement... Euh, si euh, les ouvrir, euh, les prendre en, en vidéo et tout, ça leur a pas fait du bien. Mais euh, bon, c'est pas grave, pas grave. Ils sont, maintenant ils sont protégés. Euh, c'est comme là, le club Leblanc quand il fait ça, Quand il fait ça, Comment dire Il fait son expo, bah, il abîme ses livres. Hein. Et d'ailleurs, il, il disait dans la conférence, il y a certains livres, ils ne plus parce qu'ils sont trop abîmés pour être exposés. Donc il les garde dans sa collection euh, précieusement. Voilà. Euh... Alors, comme j'étais chez Max, j'en ai profité pour lire un peu ce qu'il a acheté et j'ai lu les euh, Five Star Stories. Euh, alors, Candy Candy, il y a très peu de chances que ce soit édité. Hein, de, de, parce que là, s'est trop en bisbise avec l'autrice. Ah ben, Nico, du, du coup, j'avais pas compris que tu restais encore jusqu'au bout. J'ai cru que tu partais tout à l'heure. Ça fait plaisir. Alors, jusqu'à la fin, ça me fait toujours plaisir. Euh, ah, les formats ne sont pas les mêmes, tu vas survivre. Ah oui, mais c'est dur. Hein. Et en plus, il y a 15 formats différents. Mais j'en je, mais parle dans la vidéo. Ça se voit, Antoine, que tu n'as pas vu ma vidéo. C'est pour ça. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. <laughs> euh, alors, ouais, donc j'ai lu Five Star Stories. Euh, c'est pareil, je me suis dit, je vais sûrement l'acheter en numérique ou quoi. Euh, five, five Star Stories, c'est un, une série euh, de mecha. Alors, je vais vraiment euh, survoler hein, l'histoire. Euh, de Meka euh, en 16 volumes qui a commencé. Euh, merci Nico. Euh, 16 volumes qui a commencé en, dans les années 80 qui sont toujours pas finis. Euh, J'ai lu le premier. Il faut savoir que déjà c'est un format qui est moyen, donc un format euh, voilà comme celui-ci, mais qui est plus carré. Euh, je sais Antoine, Antoine c'est un ami à moi, il me suit depuis le début, c'est Akin. qui est plus carré dans le format. c'est pas un carré, mais presque. Donc ça fait un peu bizarre en main parce qu'il est vraiment très très large. D'ailleurs, il le dit, c'est édition large. Euh, Je l'ai lu. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Euh, pour peu que vous aimez les mechas, vous allez kiffer. Mais c'est vraiment Five Star Story, une histoire qui euh, est très, très complexe dans le sens où c'est un univers dans lequel il faut donner. Enfin, si tu ne te limites qu'au manga, tu vas avoir du mal à faire toutes les connexions parce que toutes les dix pages, tu as es un nouveau personnage. Euh, tout est dix pages, c'est alors oui, le commandant du quatrième univers, de la deuxième planète, de la zone est, de la ville de machin, euh, qui est ça, qui est en galère avec l'autre de machin, de la troisième planète, de machin. Tu sais pas qui est qui, tu sais pas qui est machin, tu sais pas ce qui se passe. En fait, c'est vraiment un univers qui, euh, qui est très 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 dense euh, dessus, mais qui est déjà construit. Donc, euh, enfin qui est déjà construit, qui semble en tout cas construit et cohérent. Donc ça, c'est le genre de manga où quand on plonge dedans et qu'on rentre dans le plaisir de l'univers, de l'histoire et tout. Euh, qui ne peut que être incroyable. Donc, euh, je vous conseille fortement de vous intéresser à, à Five Star Stories. Euh, donc, 16 volumes, euh, Nico, pour le moment. C'est toujours en cours. L'édition est très belle. Franchement, euh, Noévé, ils ont fait un très beau travail. Comme d'habitude, c'est très dur de résister aux, aux éditions Noévé. Euh, franchement, elle est, elle est très, très belle. Et, euh, et je vous conseille, en tout cas, de vous la procurer en numérique à défaut. Mais je pense que cette série-là, au vu du format, sera plus appréciable en papier, très certainement. Euh, voilà, donc ça, je me laisse encore le temps de réflexion, de toute façon, avant qu'il sorte, c'est pas de suite, c'est un des livres un peu onéreux, mais euh, de très beau, très très beau format. Donc voilà, en tout cas, j'ai lu, moi j'étais euh, rapidement pris par l'histoire, mais, voilà, au début, c'est mais qui c'est lui, mais qui c'est lui, et, et, et qui c'est lui, et après, cest ah d'accord, il se passe ça, et c'est le genre de série, en fait, faut lire le début, genre deux trois volumes, et après se dire, bon allez, je reprends la série maintenant et ça y est, je connais à peu près les personnages, je connais à peu près le, les enjeux qui sont en train de se mettre en place et je refais les connexions de ce que je n'ai pas vu et ce que j'ai raté au début. Et après, le deuxième, donc c'est Caracuri Circus euh, que j'ai lu du coup, j'ai lu le premier volume, c'est des éditions 300 pages et euh, j'étais assez bluffé par l'édition. L'édition est vraiment très belle, euh, alors comme Mono EV, hein, c'est page couleur. Euh, belle jaquette, en plus ils ont fait un, un, un rectangle, enfin une ouverture dans la, dans la couverture, ça me rappelle les éditions euh, du seuil, comme ça là. Regardez, hop, Coucou, je de mon doigt. Est-ce que vous me voyez Coucou. Donc voilà, c'est l'édition du seuil, euh, c'est pareil, et là c'est dans la couverture, sauf que la couverture elle s'enlève, et en plus vous avez un dessin derrière. Ce qui est vraiment très cool. Euh, comme effet, euh, vraiment euh, super qualité. Page couleur, tout ce qu'on veut. Franchement, il n'y a pas de numérique hein, pour euh, Karakiri Circus. Euh, donc le choix il est un peu vite fait. Il y a, je ne sais plus, 25 volumes ou un truc comme ça. Euh, L'édition, elle donne tellement envie de l'avoir. Rien que l'objet donne envie de l'avoir. Pourtant, vous avez vu, je me Je me, déballe, enfin, je me, je me comment dire, désassocie pas mal. Je m'éloigne pas mal de l'objet. D'accord mais euh, je trouve que là, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, il est. Euh, euh, c est, c est ouais, désolé. Euh, la fatigue se fait sentir, effectivement. Mais euh, je trouve que voilà, c'est l'édition, en tout cas, l'objet de on Je n'ai pas euh, les bâquis, tout ça, je n'ai pas acheté, mais c'est du même acabit, apparemment. Et l'histoire de Karakiri Circus, là où je me suis arrêté, ça commençait vraiment à démarrer. Le début, c'est une introduction. Ça commençait vraiment à démarrer là. Et c'est un très bon shonen. Et qui. Euh, qui justement, pour l'instant, ne perd pas son temps dans de longs combats, etc. Il se passe beaucoup de choses dans le premier volume. Et je trouve que c'est un. J'ai envie de la faire, en fait. Ça me donne envie de faire ce Fujita. Euh, J'aurais bien aimé la faire en, en numérique, parce que 25 volumes, c'est vraiment beaucoup. Euh, c'est pareil, les Moonlight, c'est le petit format, mais ça, je vais faire en numérique. Mais c'est vraiment beaucoup. À la base, je crois c'est une quarantaine de tomes. Ça me fait un, un peu chier, donc je vais attendre un peu avant de me lancer dedans. Mais si vous, ça ne vous dérange pas, allez-y. Hein. Euh, Karakuri Circus, ça semble être une excellente série. Et je comprends la hype qu'il y a sur ce titre parce que c'est mérité. Je ne sais pas si Manga Badass est encore là, mais tu vas souvent pouvoir le confirmer. Alors effectivement, Antoine, les Five, five Star Stories, comme ça date des années 80, il y a des visages très anguleux. Je ne sais pas ce que ça donne sur les derniers volumes, mais ça a une patte très années 80. Euh, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup euh, ce qui propose. Euh, voilà, donc ça c'était mes petits retours sur les, les séries que j'avais pu lire. Euh, moi je vous conseille ces deux-là. Euh, je ne les ai pas achetées, mais j'ai eu l'occasion de les lire. Et puis je ne les ai pas achetées parce que je savais que Max, du coup, les avait, puis c'est moi qui les ai pris. Euh, donc euh, du coup, j'en ai profité pour jeter un oeil. Ça sert à ça. Euh, alors, j'ai pas acheté que ça en plus parce que la Japan Expo c'était pas prévu à la base donc je me suis fait plaisir à la Japan Expo, mais avant j'ai commandé d'autres livres donc je, tout à l'heure j'ai parlé des My Finger, mais j'en ai commandé d'autres, les Team Phoenix, etc. Je me suis ruiné ce mois-ci en manga, mais je me suis, mais j ai, j ai, ça fait longtemps que j'avais pas dépensé autant, euh, sachant que je n'ai pas tout reçu encore. Euh, j'avais commandé des trucs, j'ai pas tout reçu, mais ce mois-ci euh, et sachant que je n'ai pas tout, là, je n'ai pas tout noté encore. J'arrive, Gone n'est pas noté encore. Il faut, il faut au moins rajouter 100 balles de plus. Mais ce mois-ci, j'ai dépensé. Fais voir mes stats là, je pleure. Oh. J'ai dépensé 450 balles de manga. Donc en gros, 550 euros de manga ce mois-ci. Moi qui voulais vider ma pile à lire et, euh, et euh, être un peu plus calme sur les achats, sachant qu'en septembre, il y a 3000, euh, 3000 sorties qui machin. Je sais pas, là, c'est la folie, les éditeurs, euh, ils sortent des bons titres, il faut que j'arrête, quoi. Donc voilà, compliqué. Euh, je, je pense que le mois d'août, il va être calme en achat, parce que là, j'ai explosé le, le, le budget. Euh, ce que j'ai pas dépensé dans les transports, il est parti dans les, dans les mangas. Mais bon, vous savez ce que c'est, quoi. Euh, dans la ligne de Pat -Labor, Non, non, ça n'a ça vraiment rien à voir euh, avec Patlabor. Là, on est dans, de, euh, dans du récit de, de science-fiction euh, euh, pur et dur. Euh, donc voilà. Il y a du méca certes, mais ouais dans le banquier là il va pleurer là, c'est clair. Mais c'est pas grave. Mois prochain euh, très peu d'achats donc euh, c'est c'est pas un souci. Début septembre je pense que le live non j'ai rien acheté les gars, j'ai rien acheté c'est bon il y aura deux trucs euh, ça ira bien quoi. En tout cas euh, ben ça y est là on a fait le tour parce que les derniers jours après euh, je suis resté avec Max j'ai fait des trucs euh, euh, avec lui puis je voulais aussi profiter de, de d'être avec lui, quoi, tout simplement. Euh, donc, c'était un bon moment. Euh, euh, ça faisait plaisir de le voir. on s'était des bons restos. On a bien discuté. Euh, j'ai pu voir euh, toutes ces belles cartes euh, Nouvelle graphiques C'était très beau. Euh, donc, c'était très, très sympa. Et euh, voilà. Après, euh, je crois qu'on arrive à la fin de la soirée. Euh, ça y est, hein, j'ai ma, ma gourde est vide. Hein. Il reste vraiment un fond d'eau. Ça, ça veut dire que la soirée se termine. C'est 11h30. Je suis très content parce qu'on a... J'ai tenu les temps, je pensais pas euh, je pensais pas en fait que ça durerait la soirée entière, je pensais honnêtement en deux heures euh, ça allait être fini et finalement il ben, y avait tellement de choses à dire. Ou alors je parle trop, je sais pas, au choix. Peut-être que je raconte trop de détails. <laughs> du coup, ça dure 100 ans. Mais je suis content, j'ai acheté plein de trucs. Je ne vous ai pas tout montré, j'en ai encore sous le coude, enfin pas, tout montré de la Japan et de Paris, mais j'ai encore plein de choses. Mois prochain, mois d'achat, ma face préférée, oui, Zeno, toi ça... C'est la phrase qui ne marche pas chez toi. <laughs> tu la répètes à chaque fois. Euh, voilà. Et j'ai acheté. Je vous fais un petit teasing. J'ai acheté le livre que je voulais acheter depuis longtemps chez Black Box. Il me le fallait. Je ne je pense pas avoir le temps de le lire pour le mois prochain, mais je lirai sûrement pour septembre. Robocock. Là ça il fallait que je l'achète donc ça je dis pas plus mais j'ai hâte ça a l'air de la mode débile <laughs> la débilité elle est là ça a l'air bien ça a l'air très très bien n'oubliez pas euh, pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à passer par les liens si vous commandez sur amazon n'importe quoi une roue de voiture n'importe euh, vous, pouvez, vous pouvez passer par mon lien ça en fait ça ça, ça, ça fait un lien affilié vous ne payez rien et moi j'ai une petite rétribution et ça aide la chaîne. Mettez, en gros, mettez mon lien en favori quand vous cliquez sur Amazon. Voilà, C'est plus simple. Et pareil pour un euh, pour pareil pour euh, comment s'appelle euh, BD Fugue. Si vous commandez, allez-y. Euh, et puis n'oubliez pas, vous avez le Patreon. Sur le Patreon, à chaque fois, il y a des vidéos inédites. Euh, la dernière, je parle des BD Astro Boy. Euh, C'est un ovni, hein, les BD Astro Boy. Donc euh, du coup, euh, ne, ne ratez pas ça. C'est vraiment euh, super. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est euh, franchement c'est des façons très simples d'aider la chaîne. Moi ça me rapporte un tout petit peu, parce que pas dire que la chaîne rapporte beaucoup, honnêtement. Euh, et puis je ne publie pas assez de vidéos pour que ce soit euh, voilà. Mais l'argent reçu, c'est surtout pour acheter du matériel après. Euh, pour améliorer les lives, moi j'aimerais vraiment améliorer le concept du live, en faire encore plus, améliorer les lumières, améliorer la caméra. Là aujourd'hui c'est la webcam. On peut faire des choses vachement mieux et tout. Donc euh, voilà, c'est toutes ces petites aides comme ça, euh, n'hésitez pas. Et pour te répondre à ta question, euh, donc, Banzarti, c'est la première fois que je te vois. Euh, L'édition perfecte d'Evangélion, euh, alors, la future Perfect de City Hunter, je ne sais pas, euh, ça, ça a l'air d'être des éditions doubles, donc je pense que euh, si tu as du, du Banana Fish ou du Eden, tu auras la même chose, je pense. Euh, par contre, la Perfect je. merci Nico, c'est très gentil de ta part. Euh, la Perfect d'Evangélion, en fait. Euh, elle, est, euh, elle est vraiment très très bien. Euh, moi j'ai lancé une édition, je la rachète pas, mais quand on l'a en main, la perfect, on a vraiment envie de l'avoir. C'est pareil, en ce moment les éditeurs ils font des super éditions et ces éditions là ça vaut le coup de les avoir. Euh, j'ai déjà fait une vidéo pourquoi je n'achète plus les rééditions euh, parce que je me ruine euh, là-dedans, mais euh, la perfect d'évangélion tu peux y aller. Il y a les pages couleurs, il euh, n'y euh, a plus les onomatopées horribles, euh, les traductions ont été revues. Le format est grand, euh, staché si de la première édition, tu as une carte en plus. Et, euh, et en plus, euh, tu as un effet métallisé dessus. Enfin, c'est plutôt cool. Après, le seul défaut, c'est le défaut qu'il y a dans toutes les Perfect Glena. Mais ben, après, euh, c'est pas méchant, mais c'est ça. Hop, Si je prends un Dragon Ball, voilà, quand on ouvre... Vous voyez quand on ouvre là... Pardon. Vous voyez, ça fait un, un espace en fait. C'est super rigide. Désolé, j'arrive pas. Hop là, voilà. Là, on le, on le sent pas. Vous voyez comme c'est gondolé la couverture là, ici. En fait, c'est pas possible que ce soit droit. Et en fait, quand on lit, c'est assez chiant en fait. Mais ça, c'est parce que euh, la page ici est collée là. Et ça, c'est les perfects. Euh euh, les Perfect c'est comme ça. C'est un petit détail, mais je trouve qu'à l'utilisation du livre, ce n'est pas hyper agréable. Par contre, l'objet en soi, ben, il est très beau. Hein. C'est un peu comme les Perfect là, tout ça. Mais même mieux, je pense, que les Perfect Argonne-Ball encore. De ce que j'ai pu avoir en main. Après, honnêtement, en ce moment, je suis en train de tester la lecture numérique sur une tablette de 13 pouces que j'ai récupérée au boulot, comme prête gentiment pour le moment. Euh, je peux vous assurer que le, c'est incroyable. Incroyable. Mais j'en parlerai euh, euh, à l'occasion. Là, ce soir, on est déjà euh, 11h30. Je passe un très bon moment avec vous. En plus, vous avez été très nombreux ce soir. Euh, donc, vraiment, c'était très cool. Euh, mais je pense que là, il va falloir aller dormir. Euh, donc, voilà. J'aimerais euh, faire plus de live encore, mais c'est toujours compliqué. Euh, donc, Nicolas, j'ai pas d'avis sur euh, Cobra Dissan, puisque moi, j'ai une vieille édition. Et puis après, ben, les Issan, on aime, on n'aime pas. Euh, et puis après, bon, ben, après, on ne peut pas dire Issan fait du bon travail en général. C'est que la politique de prix qui est discutable. Donc voilà. Donc c'est ça, ouais, voilà. C'est les perfects, euh, les perfects de Glénat, elles sont comme ça. Et Evangélion a le même problème, je crois. Donc voilà, c'est pas hyper agréable, je trouve, à la, à la lecture. Surtout que moi, les livres, euh, je les tiens comme ça. Je, je tiens vraiment. Euh, hop là euh, je, je tiens le dos et le côté, donc là avec le petit gondole, je sens une résistance euh, même plus agréable à lire euh, en numérique en fait, euh, je trouve. Euh, mais merci à tous d'être là, merci énormément, merci pour les likes, merci pour les soutiens, merci pour les Patreons qui sont de plus en plus nombreux euh, chaque mois. Euh, vraiment c'est super cool à chaque fois que quelqu'un s'abonne, n'oubliez pas que le Patreon ça commence à 1€ euro seulement, euh, c'est pas énorme, euh, et je, vous avez au moins une vidéo tous les mois donc euh, que je, je fournis et puis voilà, j'essaie de toujours rester euh, rester euh, toute façon euh, disponible pour répondre aux personnes. J'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, je vous ai vraiment fait un récit du week end entier. Je me suis dit ce sera plus sympa que vous faire une petite vidéo de 15 minutes euh, rapide, autant prendre le temps. Je vous explique les petites galères, les petites anecdotes, euh, tout ça. Vous avez été euh, nombreux à, à interagir. Je vous en remercie énormément. Donc euh, voilà, je vous souhaite une bonne nuit euh, à tout le monde. Euh, on se voit bientôt pour le prochain live, euh, donc début du mois. On va faire, je pense, euh, comme d'habitude, euh, voilà, on, on va voir. Euh, je ne sais pas encore, bah, je, ça, ça dépendra s'il y a beaucoup de monde ou pas, on, on va voir. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode de Bunko qui est sorti aujourd'hui en plus. Donc euh, 2h30 de bonheur à écouter relaxation garantie, mieux que votre thérapeute. Donc, allez écouter le dernier podcast dans lequel je participe avec Manga Curator et Mythos sur des lectures qu'on a pu faire et une FAQ. Donc, voilà, n'hésitez pas. Plein de bisous, bonne nuit tout le monde et on se dit à très vite et merci encore de votre participation et de votre fidélité, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. À bientôt, ciao, ciao